Reparlons ce matin, Madame, Monsieur, de la crise anglophone, mais surtout du professeur Titus Edzoa qui a fait des propositions au chef de l'État de solutions pour la résolution de la crise anglophone. Il propose donc au chef de l'État une adresse solennelle médiatisée du président de la République du Cameroun à la nation, ordonnant l'arrêt des hostilités sans délai, déclenchant le retrait du dispositif militaire de ces deux hommes dans les respects des règles de sécurité, dit-il bien évidemment. Il propose ensuite d'ouvrir en même temps des assises nationales présidées par le président de la République lui-même, réunissant tous les représentants des forces vives de la nation, là encore, majorité, opposition politique, religieux, société civile, sans oublier les représentants des partisans de la sécession, là c'est plus important. Il propose donc d'y associer les représentants donc des partisans de la sécession, entre autres propositions faites par Titus Edzoa, professeur, lui qui a été pendant très longtemps un très très proche du chef de l'État Paul Biya et qui propose ainsi ses solutions pour sortir définitivement de la crise anglophone, puisque selon lui, les solutions qui ont été prises jusqu'ici montrent bien une forme d'incompétence et d'incompréhension de ce qui se passe dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun où, vous le savez, il y a de plus en plus de conséquences en termes de pertes en vies humaines, mais également de conséquences sur le plan de l'économie. Et comme chaque matin, Madame, Monsieur, nous sommes bien là, bien en place pour évoquer les sujets qui rythment le quotidien de cette République. Et ceux qui sont là pour en parler, d'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à notre Nangui national. Péril sur les chefferies traditionnelles. Dénaturation, déstructuration. Quelle est l'identité de ceux désormais qu'on retrouve à la tête des chefferies traditionnelles, cas de l'Ouest Cameroun? Pourquoi l'autorité politique veut-elle tant s'infiltrer et s'ingérer dans les affaires traditionnelles? On est fatigué que les autorités politiques s'occupent des affaires qui les dépassent, qu'ils laissent les chefferies traditionnelles en paix, parce que les royaumes précèdent la République, de grâce. La chefferie traditionnelle étouffe déjà à cause des politiques. Restez chez vous, laissez les traditionalistes et les chefferies traditionnelles en paix. On va surtout retenir que les royaumes précèdent la République, les royaumes précèdent la République, les royaumes ont-ils primauté sur la République, Chalamel? C'est l'autre question qu'on pourrait poser à l'envers. Mais on comprend très bien votre indignation ce matin avec ces chefferies traditionnelles qui perdent leur substance de plus en plus. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, nous sommes le 21 février 2019. Vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith ce matin. Des menaces sur des ONG qui mènent une enquête sur les conditions de vie des politiciens du MRC. Il y a de grosses menaces qui pèsent sur ces derniers, mais de toutes les façons, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à Charles Atebayéné, né le 15 janvier 1972 à Bikoka, dans le département de l'Océan, décédé le 21 février 2014 à Yaoundé à l'âge de 42 ans. Politicien, enseignant et titulaire d'une thèse de doctorat sur le thème « L'expression médiatique des forces sociopolitiques et le défi de la préservation de la paix sociale au Cameroun ». Une approche sociocommunicationnelle de 4 titres de presse francophone camerounaise de 1990 à 1997 ce matin. Et puis on va aussi s'intéresser à cette crise anglophone, à la menace du spectre de l'année blanche qui pèse sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, les militants du MRC, vous voulez dire, Karine Sontia, les militants du MRC, d'accord, avec évidemment ces ONG qui sont menacées pour leurs enquêtes donc, sur les conditions de détention de ces militants et même les conditions d'ailleurs d'expression de leurs idées
en clair. Alors, on va revenir également sur Charles Atebayeni. On va l'écouter ce matin. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pu écouter Charles Atebayeni, on va revenir sur lui. J'ai pas envie de dire feu Atebayeni parce qu'il reste présent dans nos mémoires. Donc, Charles Atebayeni, ça fait 5 ans qu'il est parti. Hommage ce matin du plateau républicain 10-12 Le Zénith. Sur le plateau aussi, ce matin, comme chaque matin, Vouboro Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. La course dite de l'espoir, c'est-à-dire l'ascension du Mont Cameroun, devrait avoir lieu le 24 février prochain, dans un environnement de crise dans la région anglophone. Les athlètes ont peur. Les athlètes ont peur. Les athlètes ont peur. Pourront-ils alors avoir bravé et la peur et l'ascension du Mont Cameroun? Voilà. Les performances vont-elles être au rendez-vous? Voilà, la question se pose. D'ailleurs, vous faites bien de signaler cette affaire de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun, puisque il me souvient, il y a quelques jours, j'ai lu une annonce sur Twitter d'un Camerounais qui est un randonneur. Donc, il a fait une randonnée au Kilimandjaro. Il a une fois fait une randonnée sur le Mont Fakou, Mont Cameroun, c'est comme vous voulez. Et donc, il proposait aux Camerounais qui sont donc intéressés par une randonnée sur le Mont Cameroun, de l'appeler et que ce serait sécurisé. Et je me pose la question, mais comment vont-ils faire pour sécuriser cette randonnée et arriver... vous savez, il y a les randonneurs hein, qui vont... Mm-hmm. C'est un peu du tourisme. Ils vont marcher pour gravir les marches donc, des montagnes. Et donc, il est très célèbre, lui, par contre, Marcel Hainaut. Donc, il proposait justement aux Camerounais intéressés, volontaires, de l'appeler pour cette randonnée-là. Donc, vous voyez que cette question de sécurité justement qui m'inquiétait se pose aussi pour la course de l'espoir pour l'ascension du Mont Cameroun qui arrive donc très bientôt. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se passe d'ici à 48 heures, à samedi. Madame, Monsieur, merci infiniment. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jeu n'est pas bon de mon côté, Eric. Il y a une femme qu'on va enfermer. Tu vas là à Nebel. Oui, tu t'appelles Nicole. Tu habites à Japoma. Tu es commerçante au marché Bonankinkin. Ça, donc, la femme de ton grand-père dit qu'elle va t'enfermer. Qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte que tu ne pars pas à Nebel. Oui. Tu sais pourquoi? Problème de 500 000 francs que tu as prêté. Ça fait 6 mois. Nicole, je ne donne pas tout ton nom. Nicole, habitant le quartier Japoma, a fait un prêt de 500 000 francs à la femme de son grand frère. Ça fait 6 mois, elle n'a pas remis. Et elle vend au marché Bonankinkin à Bilongue. Ton dossier sort aujourd'hui. La femme de ton grand frère est en colère. Pemombo, la dame là me dit que c'est qui l'énerve au point où elle va enfermer sa belle-sœur. C'est que son mari ne la supporte pas. Donc, elle croyait que son mari pouvait me la calmer en disant que mon amour laisse. Ouais, chérie, laisse. Je vais voir comment on peut faire pour récupérer ton argent, même si c'est la moitié. Alors que non. Elle, au commencement, elle s'entendait bien avec la belle-sœur, mais l'argent est venu le séparer. L'argent vous a séparé. Au commencement, tu es avec ta belle-sœur comme ça. Vous faites la même réunion à Dakar. Je connais où vous faites la réunion là, après le pont blanchisseur, vous faites la réunion là-bas. Qu'est-ce qui se passe alors, Eric? La belle-sœur dit qu'elle a bouffé l'argent, donc la fin du mois, parce qu'elle cotise chaque fin du mois 50 000 francs. On m'a donné tous les détails. Très bien. Donc la femme du grand frère de Nicole, tu comprends dans le sens où elle dit non, mais bon. Elle a fait sa réunion et elle cotise 50 000 francs le mois. C'est une femme qui travaille, qui se bat un peu. Elle n'a pas beaucoup, mais elle fournit des efforts pour cotiser sa fin du mois. 50 000 francs. Donc, ça fait pratiquement 6 mois qu'elle a bouffé cet argent. Elle a bouffé 700 000 francs à la réunion. C'était devant toi. Même sans bouger, tu étais derrière ce manque. Ouais, ma belle sœur chérie. C'est que tu es tout pour moi, non, ma. Le cœur du ballot. Ouais, mon cœur. La femme de tonton. La femme du grand. Et elle t'a remis l'argent avec le bon cœur. Tu lui avais dit que tes marchandises sont bloquées. Que pardon seulement. Qu'elle te trouve 500 000 francs
tu récupères tes marchandises et tu devais remettre cet argent dans 3 semaines. Nous sommes aujourd'hui à plus de... Donc, 6 mois passés même. Je peux me dire que 7 mois, si j'ai une bonne mémoire, tu n'as jamais remis l'argent. Qu'elle t'appelle, tu dis que ouais, ma, je vais venir te donner. Elle t'appelle, elle vient même te voir, tu dis ouais, ma, je vais régler l'aide, je vais te faire le dépôt. Ouais, ma, comme tu vois là, c'est un peu fort, je vais. Hier donc, elle n'a pas pu supporter, père Momo. Mm-hmm. C'est où elle a donc appelé son époux. Toi-même, le père, tu avais dit que dans un couple, quand il y a moins de papa, on dialogue, non? Oui. Elle n'avait pas dit à son mari au départ. C'est où elle a dit que non, elle ne peut pas mourir asphyxiée. Elle ne peut pas mourir sans déchirer le drap. Elle a appelé son époux, que bé, pardon, dis à ta petite soeur Nicole que je ne suis pas son égal. Que l'argent, les 500 000 que je lui ai prêté, c'était pour qu'elle me remette mes dos. Ou à défaut, je vais lui porter plainte. Mm-hmm. Si tu entends que j'ai enfermé ta petite soeur, il ne faut pas que ça t'énerve. Monsieur aussi, au lieu de gérer comme un responsable, comme un chef de famille, il a répondu à son épouse que, ouais, bé, comment tu peux enfermer ta belle soeur? Laisse. C'est là qu'elle va te rembourser, ce qu'elle va te remettre. Ne pars pas au point où n'arrive pas, tu ne dois pas arriver au niveau de la plainte. D'ailleurs, quand même si elle n'est pas en prison, c'est toi qui dois souffrir, préparer pour aller lui donner, arranger à la meilleure, elle va vous donner un peu. C'est où madame est devenue forte un moment. Est-ce qu'on doit prêter l'argent à sa belle-sœur? Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas rembourser cet argent s'il veut garder son foyer? Est-ce qu'en portant plainte à la belle-sœur, ce n'est pas pour que la famille se divise? Parce que je sais ce que ça fait. Les parents vont s'impliquer. Donc tout le monde va être impliqué dedans. Comment gérer ça? Relation belle-sœur et la femme du grand frère, vous gérez comment? Une comme moi, j'avais prêté l'argent à ma copine. Elle ne m'a pas remboursé jusqu'à aujourd'hui. On ne se parle plus. Elle et moi, on ne se parle plus. Donc l'argent, c'est le diable, Eric. Continue. J'ai dit que ma copine va prêter mon argent jusqu'à prendre ma main comme ça, à l'échec. Ma, je te jure sur la tombe de mon feu père. Ma chérie, tu as joué sur la tombe. J'ai oublié, non? J'ai oublié. Et si vous dites le montant, père, moi, vous allez tomber. Le montant est pas ce montant là, mon cœur me fait mal, Eric. Ne ris pas ça. Je peux couler mes larmes. J'ai dit que ma copine est venue me prêter 800 000. Si je chute, Garmini, ce que ça. Garmini, si je chute, pardon, tu vas regarder mes enfants. De 800 000 que tu m'avais prêté. Donc, j'ai oublié. Donc, je vais même pas penser à ça. Ok. Non, mais vous savez, dans des conditions de relations familiales, c'est parfois très compliqué de faire un recouvrement comme celui-là. Donc, d'exiger d'un parent, parce qu'on considère que c'est une relation de famille, donc c'est un parent. Il me rappelle une histoire, d'ailleurs, qui est dans ce même registre, d'un monsieur qui avait à qui on devait de l'argent, et celui qui devait de l'argent était son neveu, et c'était ça montait dans les 4 500 000 francs, et le monsieur avait donc cette hésité justement sur le moyen à optimiser pour avoir son argent. Donc du coup il avait imaginé porter plainte, aller devant les tribunaux, mais il butait toujours en face de son neveu, relation de famille et tout ce qu'il y a avec. Et on a conseillé à ce monsieur un homme qui serait à Bafou. Je pouvais évoquer au conditionnel. Il est très célèbre. Il serait à Bafou. Il est très célèbre. Donc, lorsque quelqu'un vous donne l'argent, vous allez le voir. Vous soumettez votre problème et... Il a les méthodes qu'il emploie pour que votre argent vous revienne, quoi qu'il arrive. Papa, après tu me donnes donc, son numéro. Non, mais tu vas me remettre. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est un monsieur, il est très célèbre. D'ailleurs, c'est à l'occasion de cette histoire que j'ai même su qu'il y avait des gens comme ça dans ce Cameroun qui pouvaient provoquer de manière forcée un remboursement. Parce que ce qui se disait, c'était que lorsque vous contactez le monsieur, la personne qui vous donne l'argent, court vous supplier. Donc, même si vous ne voulez pas, la personne vous oblige d'abord à vous rembourser à ce moment-là. Donc, c'était un peu, ça sortait un peu du réel. Donc, c'est ça aussi. Et lorsqu'on a dit à ce monsieur donc à quoi se risquait son neveu, il a réfléchi par deux fois pour aller le contacter parce qu'il semble que lorsque ce monsieur prend votre cas en main, il y a des représailles
en cas de non-remboursement, il y a des préalables en cas de non-remboursement de la dette. Et ça peut aller jusqu'à la mort, jusqu'à des mauvais sorts que vous avez. Donc, et donc lorsqu'on a expliqué ça à ce monsieur, il a hésité. Donc, vous vous dites que quand on est face à ce type de situation, où vous avez une dette, où vous avez, voilà, avec la famille, c'est très compliqué. Bon, on va dire, l'argent ne connaît pas la famille, ne connaît pas le frère, ne connaît pas, mais il n'y a que, c'est une question quand même qui brise la confiance au sein des familles. Bon, Bengane, c'était juste pour raconter cette expérience, pour corroborer ce que tu tendances, parce que c'est vraiment très compliqué, ces affaires-là. Mais vous, quelle est votre analyse de l'histoire de ce matin? D'abord, je confirme ce qu'on vous a dit de Bafout. Ces pratiques existent. Oui. Les pratiques existent et elles sont même efficaces. D'abord, elles sont même efficaces. Justement, la deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, c'est compliqué, les relations d'argent au sein de la famille. Oui. Est-ce que ça s'est négocié comment? Vraiment, c'est très compliqué. Mais il y a une donnée essentielle. On n'emprisonne pas des membres de la famille ou ses frères et sœurs, parce que là vous êtes en train, on ne les met pas en prison, surtout pour les affaires d'argent. C'est ça qui rend encore plus compliqué la relation, au point où, à un moment, vous ne savez pas. Alors il y a une crise de confiance qui naît entre les choses. Et en plus, comme c'est un cas de commerce, est-ce que sa belle-sœur a vraiment fructifié cet argent et a refusé de rembourser? Ça aussi, c'est des cas qu'il faut voir. Est-ce que le commerce a foiré au point où le méthode de remboursement n'ont pas été, j'allais dire, possible? Et à ce moment-là, on ne parlerait pas de mauvaise foi. On ne parlerait pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut intégrer. Donc, lorsqu'il y a mauvaise foi, à ce moment, effectivement, on peut s'asseoir. Mais quand vous allez devant les juridictions de notre pays, bon, devant les juridictions, le mensonge va s'installer. Le mensonge va s'installer au point où on vous dira, est-ce que là-bas il y a des données? Où est la dette? Vous reconnaissez? Est-ce que c'était écrit quelque part? Est-ce que les méthodes de remboursement ont écrit? Quelqu'un va d'autre dire, oui, c'était contre, comment vous appelez ça, intérêt. Vous me demandez, bon, apparemment, votre justice condamne certaines pratiques. Voilà. Et qui fait que, vous allez dire, le juge va contraindre ma belle-sœur à me rembourser mon argent. Maintenant, la belle-sœur, sachant qu'elle ne peut pas, et elle risque, soit la prison, parce qu'ils vont commencer à trouver des choses. C'est justement ça qui participe à envenimer la situation. C'est pour cette raison qu'on conseille que ça se règle en famille et d'observer si le commerce avait été fructifié et qu'elle n'est pas remboursée. À ce moment-là, la famille la contraint à rembourser l'argent. Alors, il y a une donnée avec l'époux de la dame. Non, l'époux, je dirais... Qui découvre la situation. Oui, justement, et il a été, j'allais dire, stoïque. Il a un bon comportement. C'est comme ça, elle lui a dit, mais tu ne peux pas mettre ta belle-sœur en prison pour ça. Il faut attendre. Voilà. Donc, il n'est pas ce genre d'homme qui a dit, mais quand vous faisiez vos affaires, j'étais là, donc ne me mettez pas dedans. Non. Il s'implante et il apporte la calmie. C'est très important. Alors, Chalamel, la question d'entrée que je m'avais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous prêtez parfois de l'argent à vos proches, la famille? Y a-t-il un risque à le faire? Faut-il le faire? Non, il n'y a pas de risque, monsieur Eric Fokoussi. Oui. L'occidentalisation a tué l'Afrique dans toute son essence, au point où aujourd'hui, ce qui nous servait de point de repère est en train d'être achevé, assassiné, notamment les chefferies traditionnelles. J'espère que d'ici 5 à 10 ans, on aura encore une chefferie traditionnelle. Vous insistez beaucoup. J'insiste là-dessus, monsieur Rifo Poussi. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti cette tenue, monsieur Rifo Poussi. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient. Vous ne voyez pas cette tenue. C'est des tenues qu'on soit à des rares occasions. Avec la crise anglophone, l'année blanche et tout, monsieur Rifo Poussi. Comprenez que ça ne va pas au Cameroun. Ça, il faut le dire, monsieur Rifo Poussi. D'accord. J'en viens à ceci pour dire que en Afrique, on ne prête pas de l'argent. Du moins, monsieur Eric Fokoussi, on ne connaît pas traité de façon directe, ça n'existe pas. C'est dans les milieux occidentalisés qu'on traite de manière directe.
avec les individus. Vous venez me voir, monsieur Dipoposi, que vous avez besoin que je vous donne de l'argent, je vous prête de l'argent. Mm-hmm. La première règle d'abord chez les Bantous, c'est que ne donnez que le surplus. Ne donnez pas ce que vous avez, ce qui vous permet de vivre. Le juste milieu, ne donnez pas ce que vous avez en termes de juste, qui vous permet de vivre. Ne donnez que le surplus. Si vous n'avez pas de surplus, ne donnez pas. C'est la première règle, monsieur Dipoposi. Oui. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, on ne peut pas récolter tout son champ. Vous ne pouvez pas récolter tout votre champ. Les oiseaux vont passer, les orphelins vont passer, la veuve va passer, la famille va... Tous vont passer, vont récupérer. Vous ne pouvez pas planter tout un champ, vous ne pourrez pas le récupérer. Même les plus grands agriculteurs au monde. Donc, M. Dipoposi, c'est connu. Quand quelqu'un a des problèmes, vous venez me rencontrer, je vais appeler un responsable de la famille. Si Mombok est membre de notre famille, si Tandas est membre de la famille, quelqu'un d'important, je l'appelle en disant, voilà, Monsieur Dipoposi est venu me rencontrer pour me poser un problème. Il a besoin d'argent et tout. Je consens à l'aider. Voilà ce qu'il met comme gage. Voilà ce qu'il met comme garantie. Il promet le faire et tout. Monsieur Dipoposi, on discute et on échange par personne. Nous sommes trois ou quatre. En rentrer encore dans les affaires, quand vous entendez souvent les parents discuter à faire l'argent, on dit « je t'avais donné tel argent, tel était témoin, tel était là, tel était assis. Tu avais dit, il faut toujours. » C'est ça l'Afrique, monsieur Dipoposi. Lorsque tu me convaincs encore et tu convaincs la personne qui est devant moi, je porte l'argent, je ne te remets pas à toi, je remets au chef de famille en disant « nous reviendrons aujourd'hui ensemble pour récupérer cet argent afin que la transaction soit respectée. » Voilà le principe africain. Voilà le principe africain. Je ne vous remettais pas de l'argent, je le mettais même pour la pension. On n'appelait pas l'enfant pour dire à l'enfant, prends l'argent de ta pension, va t'inscrire. Non, on appelle le parent. On dit au parent, il est venu m'a posé tel problème, voici l'enfant que cela lui serve, et on déposait. C'est la raison pour laquelle c'est lors des réunions familiales qu'on gérait un ensemble de problèmes devant tout le monde. Qui voulait se marier, qui voulait toquer la porte, qui voulait acheter le terrain, qui voulait s'inscrire. On réglait tout cela en famille pour dire, demain, il ne faudrait pas qu'un individu que bien vient dire qu'on n'a pas, c'est la famille qui va monter sur lui. Or, à ce niveau, monsieur, il faut possible. Ils ont exclu la famille. Ils ont décidé de fonctionner en individualité. Pourquoi voulez-vous impliquer les autres? Mais qu'elle assume. Pourquoi impliquer les autres à la fin? Alors qu'au commencement, il n'a impliqué ni son mari, ni le mari de sa belle, ni son frère, qui est le mari de sa belle-sœur. À aucun moment, il n'a impliqué. Ils ont géré les affaires derrière. Au moment du feu, vous impliquez les gens. Il faudrait qu'on s'asseye, que vous nous racontez la genèse. Comment est-ce qu'elle t'a harcelé au téléphone? Comment elle venait s'agenouiller devant toi? Et c'est tout ça qui fait en sorte que ça vit parfois des conflits familiaux. Parce que une femme m'a dit, tout le temps, tu venais t'agenouiller devant moi, non? Tu venais prier? Les hommes ne vont pas supporter cela. Ça va donner lieu à une sorte de querelle. Or, au départ, il faut associer toute la famille. Donc, il y a une autre méthode. Oui. Aujourd'hui, avec la guerre des occidentalisés, ils sont dans la même réunion. C'est d'apporter le problème sur la présidente de la réunion et de dire, voilà, nous avons telle situation, elle ne doit pas, je supplie qu'au moment où elle devra bouffer, qu'on divise par deux ou qu'on me donne la totalité, là, ils vont trouver ce que dit le règlement intérieur. D'accord. Et on applique. Alors, moi, l'autre question, c'est comment donc on gère l'insolvabilité d'un individu? Donc, quand je dis ça, c'est pour dire qu'une personne qui n'est plus en capacité de rembourser l'argent, qui a fait faillite, qui n'a plus de revenus, qui est dans une situation difficile, donc ça, l'insolvabilité. Comment on gère ça? Monsieur Eric Dipoposi, il faut dire que même la loi encadre ça. Oui. Encadre ça. Vous pouvez voir que la personne a chuté. La personne peut-être a acheté une mauvaise marchandise, comme on voit généralement, si elle est commerçante. La personne est vraiment défaillante. Vous vous rendez compte et c'est visible que la personne est défaillante. Mmh. En ce moment, vous pouvez assumer, vous garder. C'est la raison pour laquelle, chez les Bantous, on dit ne donner que le surplus. Mmh. Ne donner que le surplus. D'accord. À telle enseigne que si jamais on ne vous rembourse pas, que cela ne vous fait pas mal. Mais vous pouvez vous rendre compte justement aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui se refuse volontairement, par mauvaise foi, à vous rembourser. Vous l'amenez devant d'abord la famille. Vous portez, s'il est de votre famille, s'il est un membre
par alliance de la famille, vous portez le problème en famille. Si la famille ne parvient pas à résoudre, vous essayez de rencontrer des personnes qui lui sont proches, avec des amis communs, parce qu'on le prête aussi à n'importe qui. Vous allez les rencontrer, si ça ne va pas, vous porter devant les tribunaux. Sauf qu'aussi, à ceci, il peut reconnaître qu'il vous doit et décider de progresser. Au lieu de vous rendre toute la totalité de la somme, décider de vous rendre à 1 000 francs, en 500, en 5 000, parce qu'on a vu des gens, par mauvaise foi, il arrive et dit oui, je reconnais que je lui dois 1 000 000, mais là, maintenant, je n'ai pas les possibilités, même s'il a les possibilités, et il décide de dire que je vais me battre tous les mois à déposer 15, 20, 20 000, histoire de vous traîner et de vous emmerder encore davantage. C'est pas la merde, ça. S'il y a des gens qui font, il en vous en dit 10 000, ah bon, il va chaque mois à donner 10 000. Il faut exprès. Mais il faut exprès, monsieur, il faut pousser, il faut. Alors, en 10 mois, ça fait combien? Juste, ça fait juste pour emmerder ou juste pour emmerder, monsieur, il faut pousser. Okay. Il dit, moi, je veux rembourser en 10 000. Tu voulais me montrer que tu pouvais me faire les problèmes, je vais te faire les problèmes. Mm. D'autres voient, ils ouvrent des comptes et séquestrent. On dit, ok, vers ces cas, ça va atteindre le montant, je vais venir récupérer. D'autres estiment qu'il faut déposer à la gendarmerie. Parfois, vous déposez à la gendarmerie ou dans un commissariat. Vous arrivez que même le commissaire a pris la manger et tout ça. C'est toute une question de combattre. Les affaires d'agent sont compliquées. C'est trop entremêlé. Alors, très, très compliqué. Karine, vous également, vous allez voir au chapitre de cette histoire, vous allez dire quoi? Par rapport à cette histoire, je vais dire qu'il y a plusieurs situations. Et j'ai plus l'impression que cette dame est de mauvaise foi. Parce que nous sommes entre femmes, on sort d'une association, tu m'accostes, tu me dis comme j'ai bouffé, et elles le font constamment. Mm-hmm. Elles ne le font pas quand tu as... Il y a des femmes qui s'assoient en réunion, elles connaissent tout ton argent dans la caisse, et elles connaissent le jour que tu vas bouffer, et elles t'attendent au tournant le jour que tu vas bouffer. Ce n'est pas qu'elle t'a déjà dit un jour qu'elle a besoin d'argent, non. C'est qu'elle attend le jour où tu bouffes, pour te prêter de l'argent. Et là, ces jours-là, elle prépare son discours de manière à ce que c'est dans la salle même que tu retires l'argent pour lui donner. Mmh. Elles sont prêtes à le faire. Dans les associations, les tontines et autres, elles le font constamment. Et quand elles le font, tu leur donnes l'argent. Parfois même, ce n'est même pas de ça. Tu envoies quelqu'un, s'il te plaît, je ne serai pas là, mais j'ai besoin que tu me bouffes de l'argent pour telle, telle, telle chose. Elle paraît prendre plus. Et là, tu te retrouves à rembourser un argent que tu ne connais pas. D'accord. Donc ça, ce sont des situations qui arrivent. Mmh. Maintenant, cette femme, moi, je dis qu'elle est de mauvaise foi parce que ça fait quand même 6 mois. Si elle avait eu beaucoup de volonté, l'argent, c'est 400 000. Oui, 500 000. Elle aurait pu rembourser à 500 000 chaque mois. Maintenant, je ne sais pas. On ne sait pas si son business a été fructueux ou a chuté. Mais ce que je vais dire, c'est que la méthode utilisée au départ a été la méthode que toutes les femmes utilisent dans ce cas. On veut aider quelqu'un en difficulté. Ça, d'accord, ça arrive à tout le monde de vouloir aider sans que les autres n'en entendent parler. Si elle t'a dit que dans 3 semaines, je vais rembourser, mais non, c'est normal que tu le fasses tout vite. Si ton argent, tu n'as pas besoin à l'immédiat. D'accord. Tu n'as pas besoin à l'immédiat. Donc, okay, je pense que cette femme s'est fait duper. D'accord. Et le reste ne reviendra pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut voir. Hein. S'il n'y a pas un terrain, qu'elle aurait, bon, 500 000, bon, c'est pas beaucoup, mais... Si, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas... Monsieur, 500 000, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas quoi, papa? Mais ne sautez pas sur non, moi. Non, vous dites 500 000, je veux juste... Écoutez-moi, je ne suis pas fini. Vous bondissez sur moi. Vous bondissez sur moi. Attends, attendez, attention. Alors, ce que je veux dire, c'est que si elle avait un terrain, je veux dire, si elle avait un terrain, si elle a un terrain, si elle a un bien immobilier, on peut saisir ce bien immobilier et, pour se faire rembourser, c'est ce que je voulais dire. Donc, 500 000 ne va pas... Les biens immobiliers sont beaucoup plus chers que 500 000. C'est ce que je voulais dire. Pas que je dis 500 000, c'est rien. C'est beaucoup d'argent, monsieur Mathieu. D'ailleurs, pour moi, en tout cas. On va... tendance. Présente. Oui. Oui. L'argent, oh, l'argent. Bon, dis sur moi. Maman, ma chérie, tu veux détruire le mariage de ton frère, je sais. Je sais que tu veux détruire le foyer là. Mais là, comment une femme vient te mettre devant les faits accomplis pour que tu lui portes plainte demain, tout le monde vient, tout le monde te déteste. Elle a fait quoi pour mériter tout ça? Elle t'a aidé avec son bon cœur. Mon retour, tu as gâté. Là, une comme moi, elle, j'avais prêté mon argent à ma mère. Ma mère, pour me rembourser mon argent, j'ai oua. Ma tête, tu ne m'as pas remboursé mon argent, reconnais. Parce que le jour que je réclame, elle me dit que ma fille, laisse-moi le temps de bouffer ma cotisation pour te remettre. Entre temps, moi aussi, j'étais sous pression. Et puis, moment, j'ai regardé ma mère. Et après, quand je mettais la pression, elle me dit que ça atteint quoi sur l'argent qui est dépensé sur toi jusqu'à l'âge-là. Quand j'ai regardé ma mère comme ça, j'ai pensé à ses 9 mois de grossesse. Dans sa souffrance derrière moi, vraie, je laissé. Pour finir, elle m'a remboursé mon argent. Je n'ai même rien fait avec. Elle m'a appelé, ma fille était faite au dépôt de 5 000. Ma fille était faite au dépôt de 10 000. J'ai géré parce que c'est toi qui m'avais accouché. Mais le cas, si tout le monde doit être impliqué, la famille doit s'entendre pour cotiser et remettre l'argent de la dame. C'est la sueur de son front.
Si elle ne te prêtait pas l'argent, là, tu allais faire comment? Tes marchandises allaient rester bloquées. Maintenant, en te prêtant, c'est sa mort qu'elle cherchait. Mm-hmm. C'est vous comme ça qui poussez certaines personnes. Elles n'aiment pas vous prêter 5 francs. Tu vois une femme qui arrive là, elle, parce qu'on est les champions en pleurs. Les champions en pleurs qu'on a besoin de quelque chose. Nous, les femmes, on se connaît entre nous. Quand une femme te dit que je veux ça, Eric, surtout le prêt, mm-hmm. elle va te dire comment son arrière-grand-père est mort. Donc, elle va assimiler. Oui. Elle va me pleurer que voir l'enfant qui est en train de mourir, même si l'enfant n'est pas malade. Tout simplement parce qu'elle va avoir les sous. Et du coup, quand elle a l'argent pour rembourser, c'est le problème. Donc, quand l'argent entre dans sa paume de main, pour que ça sorte encore, il faut appeler la police. Maman, pardon, si c'est moi, je ne vais pas te rabattre, confisque ton lit. Je prends ton écran plasma. J'appelle ton mari. Non, pas mon boxeur. Comment? J'appelle ton mari. Je pars devant ta boutique. Dans ta boutique, je récupère les choses. Je mets ça en solde. Jusqu'à ça suffit. Ça sera le vol. Non, je ne te porte pas plainte. Ça sera le vol. Je ne te porte pas plainte, mais je descends dans ta boutique. Je confisque les choses. Parce que, Nicole, je coupe court en terminant que ta belle-sœur m'a demandé le numéro du procureur. Je ne l'ai pas encore donné. Elle m'a demandé le numéro des commissaires. J'ai, mais je ne l'ai pas encore donné. Donc règle ça vite avant que je ne donne les numéros là. J'ai tous les numéros du procureur, magistrat. Je mange à la main. Non. Tu vois, j'ai les magistrats, non? Non. D'accord. Charles, d'accord, c'est bon. On va lire quelques messages et c'est Karine Sandia qui va le faire pour nous. Allez-y, Karine. L'homme doit convoquer une réunion entre sa femme et sa sœur afin de trouver un terrain d'entente et que la sœur rembourse l'argent de sa belle-sœur. Mais ce n'est pas bien de prêter l'argent à sa belle-sœur parce que, en fin de compte, cela créera toujours des mésententes et beaucoup de problèmes. Claudia Abouem de Ndok Passy qui nous écrit ce matin. Mm-hmm. Un autre téléspectateur, prêter de l'argent à certains membres de la belle famille est comme donner de l'argent à un fou, car peu sont ceux qui remboursent. Je suis d'accord avec cette femme qu'elle porte plainte car sa belle-sœur a abusé de sa patience. Tatiana depuis Ndok Passy. Vous aurez divisé la famille et vous serez marginalisé. Elle veut qu'on te déteste pour l'aimer, je sais. Cette histoire peut gâter la famille ou encore gâter le mariage. Elle doit encore tirer les oreilles de son mari. Vraiment, l'homme est mauvais. Il ne faut jamais prêter de l'argent à un membre de la famille. Bonne journée à vous, Alexis, depuis Aqua, qui nous écrit ce matin. Prêter de l'argent, c'est... Un autre message. Cette femme est certainement de mauvaise foi, mais la donataire a agi en naïve. Elle aurait dû en parler à son mari, mais j'imagine que comme toutes les femmes, elle voulait cacher sa richesse à son mari. Elle doit essayer de convaincre son homme dans la douceur pour qu'il aide tout simplement. D'accord. Merci pour ces messages. On va tout de suite prendre la route pour la colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du commerce de la drogue au Cameroun. Nous assistons désormais à une déliquescence totale de la société camerounaise. Quel est l'avenir du Cameroun à l'heure où les populations sont prises entre le marteau et l'enclume? Je m'interroge sur les mécanismes de production, d'empaquetage et de libre circulation de la drogue dans nos principales villes du Cameroun. Je me demande pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne font rien pour endiguer ce poison qui, de par ses tentacules, provoque une tumeur sociétale à nul autre pareil. Désormais, l'infumée de la drogue se répand dans presque tous les quartiers à toute heure de la journée. Elle est comparable à la fumée de la cigarette dont on s'est déjà habitué.
Comment comprendre le fait que la circulation et la consommation de la drogue en milieu jeune est atteint la cote d'alerte au Cameroun? Savez-vous que 60% des jeunes âgés entre 20 et 25 ans ont déjà consommé la drogue au moins une fois? Les plus prisés sont l'alcool, le tabac, le cannabis, le tramadol, la cocaïne, l'héroïne et j'en passe. Savez-vous qu'au Cameroun, la drogue est devenue pour les jeunes ce qu'est le bonbon pour les enfants? En milieu urbain comme dans les villages, travailleurs, chômeurs, scolarisés ou non, les jeunes Camerounais consomment à longueur de journée énormément de drogue pour affronter, disent-ils, les épreuves de la vie. Savez-vous que la région de l'Ouest est le principal foyer de la culture du cannabis au Cameroun, avec un pourcentage de 26%, suivi de celle du Nord-Ouest, 17%, région de l'Est, 17%, région du Sud, 6%, tandis que les régions du littoral et du Sud-Ouest sont à 41%. Aïe, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. La drogue se vend. Eh bien, le Cameroun est devenu un pôle de trafic illicite de drogue en Afrique. La drogue entre au Cameroun par toutes les voies, en plus de l'importante quantité déjà cultivée sur place. Les citoyens se sont familiarisés au terme « drogue », expression très courante dans les pays occidentaux, qui fait son bout de chemin au Cameroun. À en croire le ministère de la Santé publique, le Cameroun est passé de pays de transit à pays de destination, de consommation et de culture de la drogue. Elle est devenue depuis plus de 15 ans la plaque tournante dans la sous-région depuis la chute des cours de culture de rente traditionnelle comme le cacao, le café, le coton. Nombre d'agriculteurs se sont davantage lancés dans la culture de chanvre indien. Des sources policières affirment que les villages de Kumbo, Bana, Bamendjou, Banjoun, Bameka et bien d'autres s'apparentent de plus en plus à une plaque tournante du cannabis, nous disent les rapports du ministère de la Santé et ceux des forces de maintien de l'ordre. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 200 millions de personnes ont consommé au moins une fois une drogue illicite. Et d'après le Comité national de lutte contre la drogue, plus de 10% ont grandi ou travaillé dans les lieux de culture. 32% des jeunes de 17 ans fument et un jeune sur 4 âgé de 11 à 18 ans a déjà fumé. Plus de 32% des jeunes ont consommé du cannabis au moins une fois entre 15 et 30 ans. La drogue tue plus de 55 000 jeunes chaque année, de suite d'une surconsommation, laquelle représente 40 à 60% des causes immédiates de tous les accidents pour les jeunes de 18 à 25 ans. Les drogues au fil des ans s'est montrée de plus en plus fréquente et tenace dans les lieux de la quête du pouvoir et du savoir. D'après une ONG américaine, 30% des élèves de la ville de Yaoundé et Douala sont des fumeurs de drogue. Le problème de la vie, c'est pour 5% des enfants à consommer l'alcool, 70% des enfants de la rue prennent le cannabis. La drogue est la cause ou est la cause de 40% des crimes et délits, 80% des violences conjugales et de 15 à 20% des accidents de travail. Selon un rapport du Comité national de lutte contre la drogue, rendu public en juillet 2015, le Cameroun en général et Douala en particulier se présente comme la plaque tournante du trafic de stupéfiants. Comment s'en sortir? Rappelons-nous qu'en mars 2013, dans son rapport annuel 2012, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, basé en Vienne en Autriche, classé le Cameroun parmi les grands passeurs de drogue en Afrique. En 2014, le Cameroun a indiqué qu'en moyenne 5 000 à 6 000 patients étaient traités dans la capitale chaque année pour des maladies liées à l'abus de stupéfiants et de psychotropes et que 75% à 80% de ces hospitalisations concernaient des personnes âgées de 15 à 39 ans. En 2007, les autorités camerounaises avaient saisi 2083 grammes de cocaïne d'une valeur de 230 millions de francs CFA à l'aéroport international de Douala. 18 août 2015, les éléments de la gendarmerie de Bana, dans le département du Haut-Kam, ont détruit un champ de chanvre indien de 55 plants, bâti sur 550 mètres carrés et estimé à 100 kg en l'espace de quelques années. Savez-vous que le coordonnateur du secrétariat technique du comité interministériel de lutte contre la culture et le trafic de stupéfiants a attesté que 12 millions de jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment du cannabis
qui est la drogue dure la plus consommée par la jeunesse devant le tramadol. Parmi les principales substances demandées au Cameroun, on a le cannabis, 60%, tramadol, 44,8%, cocaïne, 12,10%. Le reste des consommations est constitué des préparations traditionnelles de fortune pour un niveau de consommation de 7,59%. Les solvants, 7,36% et l'héroïne consommée à 5,70%. Voilà ce vers quoi nous sommes en train de tendre au Cameroun. Une jeunesse qui désormais, en plus de se tourner vers les jeux de hasard, en plus de se tourner vers l'alcool, en plus de se tourner vers la débauche, ouvre une nouvelle porte, celle de la consommation de la drogue. Mieux, des stupéfiants. La preuve, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas chaque jour au sujet des enfants attrapés dans les différents établissements scolaires de nos principales villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertois. Voilà, merci Chalamel de ce sujet. Je pense qu'on l'a évoqué ici lundi. On va encore en parler ce matin pour dire clairement que c'est une question tout à fait pertinente que de soulever ce problème de drogue et de commercialisation, de circulation de la drogue au Cameroun. Les chiffres font froid au dos. Au Cameroun, 6 jeunes sur 10 consomment régulièrement la drogue. Pas ont consommé une fois la drogue, consomment régulièrement la drogue. Donc, 6 jeunes sur 10 au Cameroun consomment régulièrement, sont des consommateurs réguliers de la drogue. Ça, c'est un chiffre qui donne froid au dos. Vous prenez 10 enfants entre 20 et 25 ans. Sur ces 10 enfants, vous avez 6, dont plus de la moitié, qui sont des consommateurs réguliers. Alors, si ça ne vous choque pas ça, franchement, je ne sais pas ce qui pourrait choquer les Camerounais. Il y a un phénomène, avant que je passe à parler au Bénin, que j'aimerais quand même faire. Je vais faire une précision. Il y a cette affaire de chicha qui se vulgarise un peu partout. Vous entendez des gens, je ne sais pas s'ils sont naïfs ou ce qui se passe dans leur vie, qui vous disent que non, il n'y a aucun impact, il n'y a pas de problème. C'est de la drogue, mes chers amis. C'est de la drogue, de la chicha. Et vous voyez, c'est devenu un phénomène social où les gens qui prennent la chicha pensent appartenir à la haute société, à ce qu'il y a de plus light dans la vie. Attention, c'est de la drogue. Il faut, on peut l'appeler autrement. Alors, bon, Bengan, sur la question de la commercialisation de la drogue, la plus grande difficulté réside en quoi, au final? Dans ce qu'on peut appeler les cachotteries politiciennes. Oui. C'est-à-dire que, c'est vrai, Chalamel a énuméré un certain nombre de drogues. Il faut que les politiques publiques dans nos États informent que la drogue participe à la fabrication des médicaments, à un certain nombre de choses. Et que il y en a qu'on cultive. Parce que le fait pour le ministère de la Santé publique, pour les renseignements généraux de la police et de la gendarmerie, de découvrir et de donner une classification dans nos régions, traduit d'une volonté qui est cachée, c'est-à-dire d'une loi qui est non écrite. Oui. Et que tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies connaissent et appliquent. Frauduleusement, malheureusement. C'est ça en réalité. C'est que je pense que le système des Nations Unies a été embarrassé de savoir comment dire publiquement qu'on peut cultiver le cannabis, le chanvre indien et ceci, parce que ça entre dans la fabrication de. Mais et que c'est nocif pour la santé. Voilà un peu l'équation à laquelle on ne parvient pas à résoudre. Mm-hmm. On ne parvient pas à résoudre. Mais tous les États qui développent, qui souhaitent même, ou parce que chaque État le fait, développent une velléité d'industrie pharmaceutique, savent que il y a des produits qui sont assimilés à la drogue. Même regardez même avec les sportifs, ça arrive souvent avec l'athlétisme et le cyclisme. On vous dit, si vous consommez ceci, vous êtes considéré comme dopé, dopage. Comme dopé. Oui. Voilà. Mais on tolère ceci. Et les consomment pas de manière brute. Donc, c'est des produits pharmaceutiques qui sont commercialisés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça l'embarras
que nous avons, que nos États ont à gérer. Donc, je pense que le problème primordial, c'est de dire aux enfants que oui, certaines substances existent, mais qui vont vous détruire. Qui vont vous détruire. Et vous allez remarquer que des pays africains, ce qu'on appelle les bobos, dont les riches, leurs enfants qui vont dans des écoles, HEC, ici, MIT, là-bas et tout, beaucoup, la plupart d'entre eux, finissent par goûter. Ils ont l'argent, on les a menés à l'école en voiture, ils ont... C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont permis de faire? Ils se lancent dans la consommation de la drogue qu'ils viennent de découvrir dans certains milieux, surtout quand ils vont dans certains pays où il y a quand même certaines drogues qui se circulent. Et on est vraiment dans un système où les modèles érigés à la télévision, parfois, sont des modèles qui sont des modèles de drogue. Oui, des artistes ou des acteurs de cinéma qui sont toujours dans la surconsommation de la drogue, dans les films et tout ce qu'on peut imaginer, ça participe à construire. Et vous avez ce qu'on appelle les boys. On vous dit, qui a dit que pour un Rastafari est un fumeur de drogue? C'est parti d'où? Mais j'allais dire, on l'a intégré. L'opinion l'a intégré, à tort ou à raison. La marijuana, voilà, on vous dit, quand tu danses le reggae, c'est assimilé. Or, c'est faux, c'est archi faux. Mais l'opinion a intégré ça et les États ont été, j'allais dire, désarmés par rapport à cette politique-là. Donc, c'est ça l'embarras. Voilà. Comment faire pour dire à sa population que, comme vous savez là, oui, ça, mais ce n'est pas permis. C'est vraiment le poison. D'accord. Vous allez vous détériorer. C'est l'équation qui est difficile à résoudre. D'accord. Karine Sontia, vous, quelle est votre lecture, quel est votre regard sur la question de la commercialisation, le commerce de la drogue au Cameroun? En ce qui concerne le commerce de la drogue au Cameroun, je pense que nos autorités sont bien au courant des faits et qui souvent ont mis sur pied des politiques publiques pour pouvoir lutter contre cela, mais on sent qu'il n'y a pas action sur le terrain. On sent qu'il y a des foyers qu'on ne maîtrise pas, en fait. Dans ce qui concerne même la drogue, tout près de nos maisons, il y a des gens qui en consomment. Tout près dans des maisons abandonnées, on les retrouve. Parfois, vous passez même à côté, l'odeur est tellement forte. À côté de ces maisons, il y a des gens qui y habitent. Donc, ce qui fait que la consommation de la drogue même est devenue expansive. Le banga. Voilà, est devenue même populaire. C'est le mot qu'on dans les quartiers même. On considère ceux qui en consomment comme les protecteurs du quartier, comme les plus grands du quartier. Si ta chose te perd, tu peux aller voir. Ils vont trouver un moyen. En fait, c'est qu'on a tellement libéralisé la consommation de la drogue qu'on a oublié qu'il y a le consommateur indirect. Celui qui est à côté et qui ne tire pas cela avec sa bouche ou qui n'a pas sniffé, comme on le dit au quartier, est aussi dans le même bras. Mais vous êtes au courant, elle n'a pas sniffé, comme on dit. Nous sommes des jeunes, on côtoie ces milieux. Okay, c'est quelque chose qui se passe quotidiennement et ça s'échange au quartier comme une pièce de monnaie, vous avez une boule, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez ça, quand vous êtes témoin de cette situation... Vous avez quoi, une boule? Non, lui, les gardes, ils le... ils ne cachent pas, ça ne se cache pas. Désormais, ça ne se cache pas. Ils le font au vu et au su de tout le monde. Vous pouvez en acheter si vous voulez. Il suffit de connaître la personne qui vend. Et vous l'avez. Et encore que, on a tout fait pour que ça entre dans le côté cosmétique, pour qu'on nous dise que les femmes utilisent cela pour les cheveux et tout. Ce qui fait que ça, donc, c'est devenu même une banalité dans le débat, les discussions sociales. D'accord, oui. Surtout parce qu'il y en a qui disent même qu'on... que c'est pour se purger. Hein. Je suis justement comme ça, hein, une fois, une telle. une telle année. Oui. Il y a un mot que Père Mouba a dit, dopé, c'est dapé, Père Mouba. Dopé. C'est-à-dire, mon c'est drogué. Dopé, drogue. Dopé, drogué, voilà. On appelle ça le njap. Et les gars qui passent le temps à aller darloguer, voilà encore notre nom. On prend dopé, on prend ça pour avoir la force. Voilà, dopé. Le njap. Ah, il y a encore notre nom qu'on appelle le gay. Le gay. Les gars qui sont plantés, on parle d'art le gay. Il y a le caillou que vous prenez. Dans les lycées et collèges, maintenant, c'est grave. Dans les villages, on cultive. La dernière fois, on avait arrêté Mabouda.
Je vais aller... Même les enfants de Bobo, le nom que tu as prononcé, c'est Checha ou c'est Pio. Les enfants de Bobo qui... Même les enfants des pauvres. La majorité des enfants Bobo sont dedans. Je vais trahir à vos parents. Très bien. Alors, on va aller à la pause. Mais je dois dire qu'une bouffée de chicha équivaut à 90 bâtons de cigarettes. Hein. Juste une bouchée que vous faites là. Ça sort. Juste une bouchée. Hein. 90 bâtons de cigarettes. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. On va surtout rappeler que Equinox Télévision, justement, a fait sa mue et que dès le samedi prochain, on va faire un changement clair de fréquence. On va passer en mode HD. Alors, pour ceux qui nous reçoivent encore en mode SD, ces personnes-là donc ne pourront plus nous recevoir donc dès samedi prochain. Donc, il faut déjà... Changer la fréquence et avoir donc justement la bonne fréquence, la fréquence haute définition HD pour nous recevoir parce que dès samedi prochain en 48 heures, vous ne pourrez plus recevoir le signal Equinox Télévision. Donc pour ceux qui sont encore en SD, donc il faut changer les paramètres. À chaque fois, les informations passent au bas de l'écran, vous pouvez donc à chaque fois noter quels sont les paramètres et rapidement les changer. Vous pouvez mettre à vos personnes, à vos clients, de vous recevoir. On va démarrer cette deuxième partie de l'émission, madame, monsieur, avec évidemment, comme vous le savez, la lecture de quelques messages avec vous, Karine Sondia. Les téléspectateurs sont très nombreux à s'intéresser au sujet de la drogue ce matin. Concernant la drogue, une partie du gouvernement en est responsable. Ils font bonne affaire dans ce secteur, Dadi depuis Kribi qui nous écrit ce matin. C'est grave avec le phénomène de tabagisme. Faites un tour aux encablures du collège King David à Bilongue 1 et vous verrez. D'accord. Un autre message. Les autorités du pays sont complices de la commercialisation de la drogue. Dans ma ville, par exemple, le plus grand dealer de drogue même est basé derrière la gendarmerie et la sous-préfecture. Il a un droit de veto. Le business du tramol est très fructueux ici au Grand Nord. Les grands fournisseurs de ces produits sont des multimilliardaires. Ils ont la protection des autorités et forces de l'ordre. D'accord. Alors Charles, sur cette question de la drogue, on ne vous a pas beaucoup entendu. Hein? Monsieur Eric Fokoussi, oui. Rappelez-vous qu'on était en fin janvier 2002, lorsque l'honorable Monkwe Lawrence était appréhendé à l'aéroport international de Roissy en France, avec 30 kg de cannabis dans l'une de ses valises, Monsieur Eric Fokoussi. Interpellé par la police française, il a brandi son immunité. Le fait qu'il soit avocat au barreau et tout, on l'a libéré tranquillement. Il est rentré au Cameroun, il est venu se reposer. Oui. J'étais de ceux-là qui avaient tiré, à cette époque, la sonnette d'alarme en disant « Attention, si on voit déjà des honorables se balader avec cela, ça veut dire que cette histoire a déjà pris toutes les franges de la République. » Monsieur Eric Fokoussi, aujourd'hui, tout le monde fume la drogue. Non, moi je ne fume pas. Bon, si je dis, je fais, vous fumez. Vous point allez respirer, final. Vous fumez. Point final. Tout le monde respire. Non, bon, voilà, là, respire. Quand non, dis... non, respirer égale fumer. En langage technique, on parle de fumer passif et oui, fumeur. Oui, ajouter passif ou actif comme vous voulez. Vous voyez que ça part dans le même endroit. En français facile, les fumeurs de la drogue tuent les autres. C'est encore mieux. Monsieur Eric Fokoussi, vous faites un tour au quartier d'Okpassi, plus précisément à Afrique du Sud, là on appelle Afrique du Sud. Vous allez vous rendre compte que là-bas, il y a ce qu'on appelle un terre. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Bon, peut-être va m'aider. Il y a un terre. Non, le ghetto. Un terre où les gars se retrouvent là-bas. Vous trouvez tous les journalistes camerounais. Il y a même des Eric Fokoussi. Quand les gars discutent là-bas, on passe la parole à Eric Fokoussi. Oui, j'ai dit c'est un terre. Ok, d'accord. il y a des Ibrahim Chérif. Oui, il y a des noms. Où les gars, il y a des gens qui jouent nos rôles comme on joue là et qui font. Oui, qui sont assis sur un assis plateau. Sur un plateau et qui font. Un plateau fictif, quoi. Non, c'est un plateau où ils débattent. Un vrai plateau. C'est un plateau où ils débattent. Mais en s'élevant, monsieur Eric Fokoussi, vous allez sur l'axe de Douala, Bafoussam,
au niveau de Ndjombe, à 30 mètres après le marché de Ndjombe, vous allez voir un individu qui est là. Il est debout. Dès que vous passez, tu dis, ah, c'est comme il dit, je vais en Banga. Comme il dit que je vais en Banga, comme il dit que tu vas en Banga, il a donné. C'est déjà sorti. Les gars mettent ici entre les doigts. Le gars, c'est comme il dit, je vais en Banga. C'est le croc. Le gars l'a dit, il a dit, il a là, là, là. Donc, vous dites que c'est moi, le Banga. Le Banga. Donc, là, c'est comme il dit, il a dit, Banga. Or, il fait le chemin inverse. Non, monsieur est trop possible. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve attiré. Faites un tour dans les marchés, ça fume. Allez dans les écoles. Ce qui me choque et m'horripile, monsieur Rifopoussi, c'est qu'au lieu là où il y a la cantine, il y a dans chaque établissement des groupes d'individus qui tirent, le proviseur le sait, le censeur le sait, le surveillant général le sait, les surveillants de secteur le savent. Ils n'arrivent jamais dans la zone. Personne n'ouvre la bouche pour se plaindre. J'ai discuté avec un responsable, un surveillant secteur dans un bar un jour, qui m'a dit, grand frère, je vais vous dire une vérité. Quand vous voyez les gars là, vous appelez la police. Mmh. On envoie les gars venir les rafler. On les rafle sous vos beaux yeux. Mais au prochain virage, ils sont libérés. Oui. Lorsqu'ils sont libérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des couteaux. Ils font limer. Et c'est sur vous qu'ils reviennent. Conséquence, on ne peut rien dire. On ne peut rien faire. Monsieur Rifopoussi, les bandits. On avait sorti un classement. En premier, on a les bandits. On a les prostituées, on a les jeunes, les enfants de la rue, les mototaxis. Ah, monsieur, il faut aussi Macron. Macron, un arrêt. À 20h, vous voyez chai. Les gars des mototaxis souffrent que je vous fais la représentation. Non, ce n'est pas le chai. Ils ont des sachets d'eau. Oui. Ils sont comme ça. Sur la moto. Quand tu pars où je vais pas aller dedans. C'est qu'il tire, monsieur, il faut aussi souffrir que j'explique. C'est qu'il tire. Ce n'est pas de l'eau. C'est la colle. Ce n'est pas de l'eau, monsieur Rifopoussi, mais c'est de la drogue qu'ils ont dilué. Vous pouvez imaginer dans quoi ils se retrouvent à tirer. Vous avez les prisonniers. Est-ce qu'il y a un journaliste là-dedans? Vous avez les éléments de maintien de l'ordre. Et vous aussi. Avez les avocats. Eux aussi. Ah bon, vous n'avez pas encore vu les policiers finis? Vous n'avez pas encore vu? Vous avez les avocats. Les avocats, eux aussi. Parfois, il faut plaider, monsieur Rifopoussi. Pour plaider, il faut avoir le courage. Vous avez les journalistes. Voilà. Vous avez les médecins. Vous avez les étudiants. Non, attention, les médecins, je veux qu'on s'arrête chez les médecins. Non. Les médecins qui sont c'est censés... C'est pas moi, monsieur, il faut pousser. Non, mais c'est le classement qui avait été fait. Mais qui a fait c'était sur André Mama Fouda que le rapport avait été rendu en 2015. Allez fouiller, je vous donne ce rapport que je vous donne. On est, après des études, on s'est rendu compte. C'était un rapport, une étude qui avait été menée avec les ONG. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui mais les gens aiment soupçonner comme les médecins. Mais bien vrai. Sûr, monsieur Eric Fopoussi, vous les retrouvez en train de tirer. Non, c'est pour vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que... Aujourd'hui, il faut véritablement notre société est malade. Vous avez des gens qui ont des problèmes. Dans les foyers, ça ne marche pas. Dans les plans du travail, ça ne marche pas. Tout est bouclé, bâclé. Les gens cherchent donc, des lieux. Le seul refuge, la drogue. Monsieur, il faut aussi. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que je bois un 12 casier, ça me fait plus rien. Ils sont immunisés. Quand j'ai tout bu, ça ne me dit plus rien. Qu'est-ce que tu as fait un adégat? C'est parce que tu n'as pas encore touché l'élévateur. Tu dis, c'est quoi de l'élévateur? Je te fais voir. Vous voyez, non. Je vous fais comme ça la peinture de la société, monsieur. Ben oui, nous comprenons. La peinture de la société. Quand tu l'as touché, il dit, gars, je bois maintenant, ça ne me dit plus rien. Faites un tour ici à des cages. Je vous envoie à des cages, monsieur Rifo Poussi. Ou à 19h ou à 9h, vous arrivez à 9h. On vous fait bouillir ça dans les tasses. Dès que tu arrives, les gars, c'est un mois du fort, bien concentré. Il donne l'argent devant toi. Tu penses que c'est une tasse. J'ai été trompé, monsieur, il faut pousser un jour. On m'a amené parce que je voulais prendre une tasse. On dit, gars, allons. Je connais l'on fait du fort. Un gars comme toi, avec tout ça, il faut du fort. Je suis allé. Mais à la première goutte, monsieur, j'ai failli m'écrouler. Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on est dans une société où vous avez des gens qui se retrouvent à poser des actes, à commercialiser. C'est à ciel, m'as-tu vu? Gars, j'ai ce que tu aimes. Okay. Parfois, il passe égal. Même dans les Starbucks, gars, j'ai ce que tu aimes. Ça ne te dit pas. Tu vois les gens qui fument les chichas, que vous disiez, les chichas. Oh, oui. Ils mélangent ça. D'autres, parfois, c'est dans les boissons gazeuses. C'est dans les boissons gazeuses. Ils utilisent la seringue antitétanique, monsieur Rick Fopoussi. Oui. Parce que là, il faut le dire. Ils utilisent la seringue antitétanique. Ça, c'est un shooting, ça. Hein? Non, ils prennent la seringue antitétanique. Oui, c'est un shooting, là. Non, c'est dans la capsule. Ils perforent, c'est invisible. La seringue antitétanique.
oui. Ils perforent la capsule, parce que c'est un peu solide, ils perforent la capsule et ils la voient à l'intérieur. Donc, voilà dans quelle situation, voilà comment on se retrouve. Parfois, un gardien te dit que c'est même à tel jus, vous avez l'impression, mais il est plus shooté que vous qui consommez de l'alcool, qui consommez de l'alcool et avec lui. Donc, alors, juste le shooting, pour dire qu'en France, par exemple, ils ont fait sous la gauche hein, les cabines de shooting. Vous pouvez venir avec, vous faites shooter, donc c'est comme la perfusion, mais une perfusion de drogue qui entre en vous. Je pense que c'est le. C'est ça ne donne pas le cancer. C'est le. Comment c'est, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? C'est le cannabis, c'est la marijuana, c'est le cannabis, un truc. Puisque on commence désormais à tolérer le cannabis un peu partout dans le monde. Ça a envahi le système des Nations Unies. Oui, désormais. Oui, sauf que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons des jeunes. On a. Le Cameroun est à construire, M. Eric Fopoussi. Le Cameroun est encore vierge. Nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin d'avoir toutes nos cervelles. Passez aux amphis. Dans la nuit, monsieur, il faut pousser à l'essai. Vous allez voir des gars assis en train de fumer. Des gars, tu sais comment? Qu'est-ce que tu te retrouves à faire là? Et des gars, il faut que j'apprenne parce que j'ai évaluation à 6 heures. Là, il faut que je puisse là rester éveillé. Il faut. Avant, on prenait les cafés pour ne pas. Et puis les boissons à la coke là. Oui. Pour ne pas dormir. Mais maintenant, on est passé à la vitesse supérieure. D'accord. Il n'y a aucune différence entre le soir et ça. Ça veut dire que si aujourd'hui on veut s'élever pour éteindre cette affaire, on connaît, ils connaissent tous les points, tous les lieux et tous les endroits pour pouvoir tuer cette affaire qu'on appelle les drogues, monsieur Eric Fopoussi. Et de plus en plus, Tendance vous a donné un nom que vous avez simplifié tout à l'heure, c'est le D10. Le D10. Faites très attention. C'est le comprimé. Faites très attention. J'ai vu, une maman m'a fait voir ça, que son fils consommait. De plus en plus. La mère qui se plaignait que son fils prend la drogue. Je n'ai jamais vu les Tramol, mais ce jour j'ai vu de mes propres yeux. Quand tu regardes les travaux, ça a une belle couleur. Tu as même tellement la couleur, et ça a même plusieurs couleurs. Rouge, orange, frère. Ah. Ok, d'accord. On va repartir lire deux messages pour sortir définitivement de cette séquence. Allez-y, Karine. Une fois, moi, j'ai appelé la police pour qu'ils arrêtent un vendeur de stupéfiants dans mon quartier et ils l'ont arrêté aux environs de 2 heures du matin devant moi, mais j'étais surpris. Et aux environs de 2 heures du matin, il était devant moi, mais j'étais surpris de le voir, de voir le gars dehors à 6 heures. Un autre message qui nous arrive, c'est la vie qui nous pousse à fumer. Derrière chaque fumeur, il y a une histoire pathétique. Commencer est facile, arrêter plus difficile. Si quelqu'un vous propose de fumer pour soulager votre stress, je vous assure, il ne vous aime pas. Les mamies cola sont chef. Les mamans qui vendent deux colas du matin jusqu'à 2h du matin, tu vois une maman qui a deux lotus avec trois colas. C'est ce que vous vendez. On va vous rafler. Les zestes de maïs. Les mamies cola. Les poissons. Tu vois une grand-mère dans un carrefour, la grand-mère là. Non, elle que c'est cola. Donc, sa marchandise n'atteint pas 1000 francs. Même 2000 francs. Donc, c'est là. Il y a la cola, il y a le lotus, parfois le jujube. C'est la couverture. Les mamies cola. Je vais vous dénoncer. On les appelle les mamies cola. Elles vendent la cola. Mais après, en bas, là, il y a tout la drogue qu'elles vendent. D'accord. Très bien. Alors, on va lire un dernier message. La drogue est un phénomène mondial. D'accord. Tous les pays sont impliqués. Certains le légalisent et le commercialise, c'est malheureusement le fruit de la mondialisation. Même le Vatican trafique la cocaïne. Il faut bien expliquer au peuple ce qu'est la drogue, ce qui n'est pas. Faut faire attention à attaquer le Vatican comme ça. C'est vrai qu'actuellement, il y a cette affaire de prêtres pédophiles, mais il ne faut pas qu'on en fasse trop quand même. Hein. Alors, on va tout de suite avec vous, Karine Zondia, rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à Charles Atebayene, écrivain et auteur des livres tels que Général Pierre Semengue, Toute une vie dans les armées, édition clé, sortie en 2002, 274 pages, crimes rituels, loges, sectes, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes du combat, sorti en 2013, 228 pages. Et aussi d'autres livres comme Émergence du Cameroun à l'horizon 2035, l'apport de la Chine, la coopération de développement, ses succès et ses craintes, sorti en 2012. L'homme politique et enseignant né le 15 janvier 1972 à Bikoka dans le département de l'Océan. Dans ses mémoires, il racontait
dans les quartiers urbains et suburbains, les rafles et les fouilles faisaient rage tôt dans la matinée. Les cases des indigènes étaient fouillées de fond en comble par les militaires qui arrachaient les couvertures de laine pour les remettre aux soldats. Les poules, chèvres et les moutons furent épargnés. Donc, il racontait ainsi ce qui s'est passé lorsqu'on faisait des expulsions de sa famille, contrainte à dormir dans des jardins pour loger deux soldats français. Et c'est ainsi qu'on parle de lui en tant que, membre suppléant du comité central du RDPC et enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Un doute plane sur sa mort. Pour certains, il aurait été assassiné. Pour d'autres, pour sa famille même, il est mort de suite d'insuffisance rénale. Est-ce qu'on peut l'écouter quand même un tout petit peu ce matin ou pas? Oui, on peut l'écouter. Okay, d'accord. Traversé l'écrivain Charles Ateba Eyene, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé la République de pas en cause. Nous ne condamnons pas les loges, la rose-croix, la franc-maçonnerie, etc., la scientologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous faisons une grosse, nous observons une grosse différence entre les gens des loges, par exemple en Occident. Vous savez que quand vous parlez de la Sorbonne, quand vous, la plupart des grandes écoles, toutes les grandes réalisations, ce sont les maçons. Quand les symboles maçonniques, c'est la tour, on les connaît. Alors, ça veut dire que ce sont des bâtisseurs. Ils s'en vantent d'être des bâtisseurs. Ils ne se cachent pas. Ils disent, c'est nous qui avons construit ceci, c'est nous qui avons fait cela. Je vais vous dire que la plupart des lois dans le monde, abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux. Invention de l'école, laïcité, etc. Très bien. Ils travaillaient d'abord dans la loge, c'est-à-dire ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le problème. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la... Il a 42 ans, Charles Ateba Eyene. D'accord, hommage ce matin donc à Charles Ateba Eyene. Ça fait 5 ans qu'il est parti, hein, jour pour jour, un 21 février. Alors bon, Robingan, que gardez-vous comme souvenir? C'est très difficile d'apporter la vie pour celui qui a été un ami, un compagnon. C'est vraiment difficile. C'est difficile, mais je retiens seulement qu'il n'a pas été compris. Ou alors, il a cru naïvement, comme d'autres jeunes et intellectuels, il a cru naïvement au propos du renouveau qui pensait amener l'épanouissement de ce pays. Élu responsable de la communication au sein du bureau de l'OGRDPC en décembre 1996, il s'est battu comme un diable pour avoir une place au soleil au sein même du RDPC. Il n'a pas pu. Ça veut dire qu'en fait, ce parti-là ne fait pas la promotion de ces jeunes. Apparemment, leur président national l'a reconnu le 10 février dernier, mais j'essaie toujours de voir est-ce que le président national a été surpris de l'implication de Franklin Dufort, Cabral Ibi et Matomba. Est-ce qu'il ne s'est dit pas, j'aurais pu et moi aussi former une pépinière qui aurait rivalisé ses opposants qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Donc, Charles, c'est difficile. Moi, j'ai tous ses livres. Et avant de publier pour certains, je les lisais, il me faisait lire la mouture avant. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir perdu un jeune de ses mains. Surtout qu'il sort de la candidature des PC, qu'il n'a pas manqué. Et lui citait même les noms des barons du RDPC qui empêchent les jeunes d'émerger. Et malheureusement, le président national du RDPC ne disait pas. Ce que je disais dernièrement, par exemple, les circulaires du président national du RDPC qu'il envoyait pour la, comment vous appelez ça, la réorganisation des bureaux des organes de base du parti, ces circulaires étaient régulièrement trafiqués entre le palais de l'unité et le palais des congrès où siège le RDPC, et au point où même le journal L'Action publiait la version tronquée. Donc le journal du président même publiait la version tronquée. Donc, et Ateba Eyene dénonçait un certain nombre de choses. Très bien. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai dit en dernière année, peut-être que le président national du RDPC
n'a pas été un militant. Parce que si vous êtes un militant dans des autres pays, ce sont les militants qu'on nomme au poste de responsabilité. D'accord. Alors, Chalamel, on va dire que quand même, c'est tout à fait impressionnant parce que Ateba Yené, sa mémoire, son combat, ce qu'il a fait, tout ça font l'unanimité. Ça fait l'unanimité. C'est tout à fait remarquable. Monsieur Eric Fopoussi, je commence par saluer, c'est un Charles. Donc c'est un homonyme. On va dire que les Charles sont... Oui, ils sont comme ça. On la verve. Ils sont comme ça, les Charles. Oh, oui. Ils savent garder dans leur poche. Bon, même si je prends quelques fleurs. Mais quand même, il faut dire, M. Eric Fopoussi, que je déplore que ce soit, qu'il se soit en allé très tôt. Mm-hmm. Très tôt. Pourquoi? Parce qu'il avait tant à dire, tant à donner, et il avait une façon qui lui était particulière de savoir distiller ce qu'il voulait, de savoir se faire comprendre même par la grammaire du marché. Il ne s'encombrait pas d'une grumologie, permettez-moi l'expression, qu'on reconnaît à d'autres aujourd'hui. Il s'exprime avec des mots qui vous renvoient tout le temps dans des dictionnaires, aller fouiller des mots qu'on ne comprend. Lui, il trouvait toujours le langage juste pour le faire. Je déplore une autre chose, monsieur Eric Fopoussi, c'est que l'ensemble de ces passages n'ait pas été consigné quelque part. C'est-à-dire que l'archive, les archives nationales de ce pays, s'ils existent ou s'ils fonctionnent, devaient au moins conserver, les dire. Ce n'est pas sur YouTube qu'on va aller voir, dans une qualité approximative, les sorties de Charles. Ils devraient au moins conserver cela pour qu'un jeune étudiant, les jeunes nationalistes, les jeunes combattants, ceux qui souhaiteraient véritablement avoir pour modèle, puissent aller consulter et entendre, écouter ce qu'il a dit. Ici, là, peut-être, il a abordé la question la question des sectes loges, mais un pan sur lequel il m'avait marqué, c'était le rôle des élites dans les différents villages, là où il démontrait que les élites sont ceux-là même qui tuent aujourd'hui les villages. Les élites sont ceux-là aujourd'hui qui se retrouvent à pousser les jeunes vers les sectes, à pousser les jeunes vers l'homosexualité, à pousser... Ça, c'est quelque chose qui m'avait véritablement marqué. Mais la suite, elle a été laquelle? Eh bien, on ne peut que lui rendre cet hommage et espérer que d'autres personnes se lèveront pour continuer ce combat. En tout cas, il n'y a qu'à voir sa popularité. Hein. C'était sa levée de corps a été d'une forte foule accompagnait justement sa dépouille. C'était extraordinaire. Au Carrefour Ouada, je déplore qu'on s'arrête à cela. Oui. Parce que si vous évoquez cela, je vais évoquer le cas de Cotobas. Dans quelles circonstances on a enterré Cotobas? Personne ne circula à Douala. Mm-hmm. C'était bouché partout, tout le rond-point, tout le pont même était pratiquement littéralement bouché. Oui. Monsieur, aujourd'hui, allez voir là où il a enterré, qui va défricher. Moi, je me bats plutôt pour la conservation de la mémoire, monsieur Eric Fopoussi. Tout à fait. Qu'on conserve la mémoire et comment la conserver, c'est aujourd'hui qu'on devrait travailler, monsieur Eric Fopoussi, conserver cette mémoire, qu'il soit cité, au lieu qu'on ne peut pas nous mettre les images du pain, beurre, chocolat dans les livres de nos enfants à l'école, qu'on puisse nous mettre au moins ces figures qui ont réussi à décrier l'espoir d'ensemble de choses pour faire avancer le peuple. D'accord. Oui, tendance. Que j'ai moi peur de la mort jusqu'à... Ou qu'on même ça fait comment... Moi, Charles Ateba Yené, que pense à lui. La dernière fois ici, j'ai vu sur Facebook, réseaux sociaux, qu'il y avait même... Je n'ai même pu être là-bas. On disait que la mère de feu Charles Ateba Yené est morte. Ouais. Et en mourant, elle avait enterré tous ses enfants. Ou c'était même vrai. C'est ce qu'on écrit. C'est vrai, c'était vrai. Les gens disaient que ouais, si Charles Ateba Yené était là, il pouvait enterrer sa mère. Mais je n'étais pas sûr d'eux parce qu'ils n'avaient pas le temps. Si elle avait le temps, moi, elle partait. L'enfant que tu as poussé, ce n'est pas tout l'enfant là qui tentait. Je ne sais pas si c'était sous forme de moquerie ou pas. Une maman qui est morte, ils ont écrit sur Facebook que non, elle meurt comme ça. Ses enfants étaient là, tous décédés. Tu as appris ça, Karine. Voilà. Quand même, ça fait comment? J'ai moi peur de l'amour souvent, et pas bon. D'accord. Ou le jour que ça va me prendre, je vais me positionner par où? Ok, c'est bon. On va poursuivre sur l'autre. Alors, l'autre sujet, c'est ce spectre qui tourne autour de l'année blanche, dans l'année scolaire blanche dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entre incendies des établissements scolaires, menaces des sécessionnistes, arrêt complet des cours et affluence des élèves vers les régions les plus proches, telles que la région du littoral et la région de l'Ouest. Parents d'élèves et syndicalistes s'inquiètent
alors que le gouvernement se bat bec et ongle pour mettre fin aux exactions. Les syndicalistes expliquent qu'il serait difficile de rattraper les 900 heures de cours prévues par l'UNESCO, ratifiées par le Cameroun. Et plus grave encore, on ne devrait pas considérer mondialement tout diplôme obtenu à moins de 860 heures de cours. Le doute plane, même si pour certains, on ne peut pas encore parler d'année blanche au Cameroun. Il serait urgent d'agir. Alors, bon, Bengan, c'est bien ce que vous avez, d'ailleurs, on va le dire, hein, prédit sur ce plateau. On était, je pense, au mois de juin l'an dernier, et ça se confirme, même si au début d'année, on nous a un tout petit peu badigeonné quelques deux, trois mesures pour que les élèves vont en cours. Mais là, on est en cours d'année et l'année blanche se confirme. Oui, absolument. Oui. Et nous disions à l'époque qu'une chose est de sauver la rentrée scolaire et une autre est de sauver l'année, oui, l'année scolaire. Mais moi, il faut qu'on soit clair quand même. L'éducation ou alors la scolarité dans ces deux régions à partir de l'année scolaire 2016-2017 a été blanche. Ce n'est pas parce que on a fréquenté un peu à Beuya, à Bamenda, je ne sais pas moi, à Tiko et à Limbé, qu'on pense qu'on a fréquenté dans toute la zone. Non, on a vu comment les populations se sont déportées vers l'ouest, le littoral, le centre de la Damawa, et entre autres. Mais là, c'est pratiquement une année blanche, qu'on ne se trompe pas. Il y a des régions pratiquement où depuis novembre 2016, il n'y a plus d'école là-bas. Donc, malheureusement, on commence à penser que, ou bien à vouloir sauver. On ne dit pas que l'année scolaire au Cameroun est une année blanche. Nous disons dans ces deux régions. Donc, il fallait sauvegarder au moins ces régions-là en essayant de voir avec quels sont ceux qui détiennent des établissements scolaires là-bas pour la plupart. C'est l'Église catholique romaine, c'est la Presbyterian Church of Cameroon, la Native Baptist Convention et l'Église baptiste du Cameroun. Donc, il faut les associer. Comment faire? C'est-à-dire que les aider, par exemple, la Native Baptist Church qui a des enseignements ici, est-ce que l'État peut amener à leur donner une petite subvention pour ajouter des bâtiments ici ou là? Et à ce moment-là, l'État, je suis sûr, va se dire, oui, mais on a chuté. Si on le fait, ça veut dire que les Ambabos ont pris le territoire même. Voilà dans quelle situation on met les enfants qui n'ont pas d'avenir, malheureusement. D'accord. Très bien. Charles. Monsieur Infopoussi, je veux vous dire que les résultats de cette année scolaire sur toute l'étendue du territoire, à mon avis, seront quelque peu biaisés. Pourquoi je le dis? Premièrement, on a changé le programme scolaire d'un. De deux, il y a des difficultés d'adaptation des élèves au nouveau programme. Trois, il faudrait que les enseignants bûchent d'abord le programme, le comprennent afin de l'enseigner aux apprenants. Donc voilà le premier problème. Deuxième problème, M. Eric Fokossi, vous avez des enfants qui ont vécu un traumatisme à nul autre pareil, qu'on a déporté de ces différentes zones, qui un frère, qui un cousin pour amener, qui, malgré le fait qu'ils soient à l'école, vivent un traumatisme qu'on n'a pas encore pu soigner, qu'on ne les a pas encore amenés à pouvoir supporter. Vous avez l'impact sur les autres, M. Eric Fokossi, c'est-à-dire ces enfants qui sont arrivés, qui ont des difficultés à s'intégrer avec les autres enfants, qui à l'école dit, voilà les gars, les enfants qui étaient dans l'autre école, les voilà qui sont venus, la stigmatisation de ces enfants qui se retrouvent. Donc, M. Eric Fokossi, les enfants peuvent être même ici, comme le disait Bobo, mais le corps, ils sont là de corps, mais l'esprit n'y est et pas. L'esprit est ailleurs. Ils ont vu des corps parce tomber. Que le claquement des armes. Le claquement des armes, M. Eric Fokossi. Des personnes égorgées. Des personnes égorgées. L'horreur de l'image. Vous avez l'horreur, M. Eric Fokossi. Moi, j'ai eu à rencontrer une fille qu'on a récupérée de ce côté, en fait, son frère a récupéré de son côté. Chaque fois qu'on gronde un peu, elle pleure. Elle commence à crier. Dès qu'on gronde un peu, elle se met à crier. Si elle entend le moindre vacarme, elle s'évanouit, monsieur de Fokossi, parce qu'elle était dans une zone où ça crépitait à longueur de journée. Jusqu'à ce point, le gouvernement n'a pas pu prendre en compte cette mesure pour pouvoir aider ces enfants-là, c'est-à-dire ceux qui vont gérer. Comme on dit, nous voulons laisser un Cameroun demain prospère et tout, on retenir que ce n'est pas moi qui en a apporté ici. Ça, on va laisser quoi ces enfants? Voilà des enfants traumatisés à vue. Il y a le cas des enfants qu'on a violés, puisque quand vous parlez du spectre, ces jeunes filles qu'on a violées, qui ont de la peine à se resocialiser, aujourd'hui avec les jeunes, ces internats. Donc je pense, M. Eric Fokossi, que
on ne peut pas dire qu'on vit. Non, non, c'est école morte. J'ai bien peur que, même ce que vous appelez blanche, enlever le blanche là, on a vu ce que la marche blanche a pu donner, enlever le blanche, mais c'est morte. Parce qu'aujourd'hui, rien ne parvient. Vous avez vu Bouddha, on a brûlé les établissements à Bouddha. On a brûlé, on a allé jusqu'à brûler, Babadou. Désormais, Babadou brûlait même les établissements scolaires, les formations sanitaires, monsieur le Fopossi. C'est dire aujourd'hui que la psychose est plus que profonde. Okay. Et nous autres qui, tous les jours, sommes obligés de fouiller, ça, il faut le préciser, monsieur le Fopossi, ça a un impact véritable. Nous qui sommes obligés de fouiller, de collecter les informations chaque jour, de voir des gens qu'on a égorgés, de voir qu'il y a un impact, et à longueur de journée, le répéter, mais monsieur le Fopossi, c'est la nation tout entière qui est paralysée. Et je rejoins Joshua aussi à ce niveau qui disait on ne peut pas vivre au Cameroun comme si il n'y avait pas un problème. Comme si les autres problèmes, c'est l'économie, c'était l'opération épervier, c'était arrêter Maurice Kamto, c'était arrêter, je ne sais pas moi, faire les auditions de X ou Y au TCS, alors qu'il y a un vrai problème qui est en train de miner et qui perturbe. Regardez, depuis pratiquement une semaine, c'est vrai que la crise anglophone. Crise anglophone. Et on a atteint un pic, monsieur Rifopoussi. On a atteint un pic ce jour qu'on n'a jamais atteint avec cette histoire de la crise anglophone. Bien sûr. Et c'est déjà assez grave. Nous-mêmes ici sur le plateau, qu'on se voit le matin, on dit j'ai mal dormi. Ben, vous-même vous disiez ce matin que vous avez mal dormi à cause des affaires de la crise anglophone. Oh. Donc, monsieur Rifopoussi, imaginez l'heure là-bas. Imaginez ses enfants de ce côté. Imaginez ses parents. Imaginez ceux des Camerounais qui trouvent encore le courage de rester là et de voir chaque jour les corps tomber, les voisins, les amis, les frères. Les familles même. Mmh. Et le sang coule là-bas chaque jour. C'est dur. Sans compter les cas que nous ne sommes pas au courant. Il y a des gens dont le sang coule dans le sud-est. C'est dur. Matin, midi, soir, pour finir même. Je suis dépassée. Les Amas, bon, on n'a même plus pitié des enfants. Hein. Non. Vous n'avez pas pitié, papa. Vous vous entretiez comme ça. On ne sait même plus qui est qui. J'ai ri avec toi dans la nuit, tu viens m'assassiner. Mais vraiment, Seigneur, il faut qu'on arrête ça. D'accord. Alors, on va, je vais encore vous donner les propositions de professeur Titus Edzoua, parce que c'est important, la répétition est mère d'enseignement. Donc, une adresse solennelle médiatisée du président de la République à la nation, ordonnant l'arrêt des hostilités sans délai, déclenchant le retrait du dispositif militaire de ces deux zones dans le respect des règles de sécurité, bien évidemment. Donc, c'est ce que propose Titus Edzoua pour qu'on arrive à résoudre cette crise. Il dit ouvrir dans le même temps des assises nationales présidées par le président de la République lui-même, réunissant tous les représentants des forces vives de la nation, majorité et opposition politique, religieux, société civile, sans oublier, et ça c'est plus important, les représentants des partisans de la sécession. Donc c'est le dialogue inclusif national dont on parle ici chaque jour. Donc voilà ce que propose entre autres professeur Titus Edzoua. Il est l'ancien secrétaire général de la Première République, donc il a été donc très longtemps un proche collaborateur du président Paul Biya. Quand il parle comme ça, il faut écouter. Voilà, merci beaucoup Karine Sondia pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, tout de suite, voici la suite. 5 plus 1. Ça, ça y est. Yeah. Ça, ça y est. Yeah. Et c'est parti avec la troisième semaine. Jeudi 21 février dès 18h. Le Noun en fête. Tous les meilleurs artistes du département du Noun, conduits par le capitaine Claude Ndam, explosent le festival Fomaric. Passe 500 et 2000 francs VIP. Vendredi 22 février dès 20h. DJ Gérard Ben. Presse à Foacom. Ledoux Marcelin. Et à la demande du public, en exclusivité, Niangolo du Sud. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, voilà ça. Passe 500 et 2000 francs VIP. Samedi 23 février 20h. Feu au Festival Fomaric. La pépite Blanche Bailly. Je ne suis pas ton maman. Le tombeur Mista Léo. Pour été, on se connaît pas. Et le King. Je me suis inscrit à le corps d'amour. Didier Yango, le roi Moincoum. Passe 1000 et 3000 francs VIP. Dimanche 24 février dès 12h. Le vivre ensemble à l'honneur au Dimanche des communautés. Compétition des danses patrimoniales et chœur et louange en guest star. Le CAJ de la cathédrale de Douala. Vainqueur, chœur et louange 2017. Le mal en pas allumé. Passe 500 et 1000 francs VIP. N'oubliez pas, en 2019, faites le plein des bonnes affaires au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala.
Voilà, donc Presse Béroni, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le panel, bonjour à tous les festivaliers. Et donc, nous sommes rendus à la troisième semaine de cette 25e édition plus 1 du Festival Fromarik. Et on nous parle depuis quelques jours, qu'il s'agit d'une semaine assez riche en activités et en surprises. Oui, des activités et des surprises. Et parlant d'activités, Eric, nous allons dire que le concours du futur chef, ce concours réservé aux tenanciers des restaurants du village du Festival Fromarik, dont la première demi-finale a eu lieu la semaine dernière, samedi dernier. Et ce samedi, nous aurons la deuxième demi-finale qui, cette fois, mettra aux prises les élèves des écoles de cuisine de la ville de Douala. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'à ce jour à 20h par SMS uniquement ou alors par WhatsApp au 6 99 92 66 17. On va également dire que le podium Sassaye est érigé au Festival Fromarik, podium gratuit pour toutes les entreprises, pour tous les exposants qui sont au Festival Fromarik 25 plus 1 pour venir présenter leurs différents produits et leurs entreprises à tous ceux qui rentrent et sortent au Festival Fromarik. On va également dire qu'il y a 7 hôpitaux pour vous permettre, mesdames, messieurs, tous les jours à partir de 8h du matin pour aller, il s'agit bel et bien de l'hôpital Acha, dont on connaît la réputation en matière de maladies oculaires. Donc vous y faites un tour pour bénéficier, pour vous faire consulter gratuitement tous les jours à partir de 8h. Et je pense que ça, c'est du véritable sasaye. Ajouté à cela, on va naturellement parler de toutes les activités, de tous les produits. Faites un tour dans tous les stands, s'il vous plaît, lorsque vous êtes au Festival Fromarik, pour constater justement que vous achetez au Festival Fromarik plus moins cher qu'ailleurs. Et si vous achetez, si vous trouvez plus cher au Festival Fromarik, appelez-moi, dites Prince Béroni, ce que tu dis à la télé, c'est du pur mensonge. Et vous savez que généralement, Prince Béroni, il ne dit pas du n'importe quoi. Donc voilà, entre autres surprises que nous aurons là-bas, et nous sommes justement jeudi, c'est un grand jour au Festival Fromarik, Eric. Et donc, nous sommes le jeudi 21 janvier 2019 et c'est le grand jour du Festival Fromarik. Le Noun est en fête aujourd'hui, même à partir de 18h. Prince Béroni. Oui, le Noun est en fête. C'est, on va dire que c'est un concept que nous avons mis sur pied en collaboration avec les organisateurs du mardi Bamoun, dont l'un d'entre eux est ici, M. Tom Wallace, qui est bel et bien là. Et nous avons à ma gauche ici l'une des grosses légumes montantes de la musique du Noun. Elle s'appelle Assiatou, la star. Je vous en prie, c'est une boule d'énergie que vous aurez sur le podium central du Festival Fromarik aujourd'hui. Donc Assiatou, la star, qui a fait le déplacement, on la présente comme étant la Shakira, la Lady Gaga, mais surtout la Katino du département du Noun. Donc elle est ici, elle est là justement pour confirmer sa présence. Et on va préciser qu'à ses côtés, nous aurons le grand Alioti Sheida, nous aurons Jérila, nous aurons Aïcha Kakandou, nous aurons Amina Rasta et toute sa troupe, nous aurons également Jimba Moussika, nous aurons Morabi Lasta et surtout le capitaine de cette équipe, c'est le patriarche Claude Ndam. Ils seront tous là aujourd'hui et monsieur l'un des membres du comité d'organisation, Wallace, il est bel et bien à côté de moi, comme je le disais, pour s'adresser à tout ce peuple-là en langue certainement vernaculaire. Merci, bonjour. Vous allez m'excuser de m'adresser en langue vernaculaire. Mambe chemin sa m'enfondera. Vraiment, Benzemina, Inga Festival Fomari, a pas une opportunité que Ponta. Yope, Fomari, Yomiga ne pourra pas, maman. Patem Nanja Angoul, le Ngoul, le Mente, pourquoi pas les Bamoun? Pourquoi pas nous autres? Pour y jouer, pour y tointer, Mundet. Moi, j'ai invité vous massivement, mon chouri, Pio Pio Gazé, mardi Bamoun. Moshimi, pour toi, Réani, Diachi, Foti Fomari, Kamte Bepanda que Ponta, le 17h00, Manga, ATP. Merci. Alors, très rapidement, Assiatou la star, sa confirmation, merci. Ok, salut mes fans, c'est Assiatou la star. Je vous confirme ma présence ce soir à la Fomari. Ne manquez pas mes fans, venez nombreux, mais ça va ramponner, mais ça va traumatiser mes fans. Ne manquez pas ce soir, ça serait la destruction. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? N'oubliez pas, j'ai baissé le prix de piment à 250 francs. Donc, ne manquez pas, venez nombreux.
Voilà, merci, merci Assiatou. Et je pense que pour ce qui est de la suite du programme, merci également à vous tous, mesdames, messieurs, à la réalisation. La suite du programme de la semaine, c'est bien sûr avec monsieur Cédric Chouna qui va certainement vous rafraîchir la mémoire pour vous donner le programme de ce week-end. D'accord. Merci beaucoup, merci infiniment. On va tout de suite basculer, toujours au plateau B pour parler maintenant donc de la campagne de distribution gratuite de la MILDA 2019. Et pour en parler, justement, ce matin, c'est Madame Moko Clarisse du district de santé de Daido qui est avec nous sur ce plateau. Madame Moko Clarisse du district de santé Daido sur donc la campagne de distribution gratuite des MILDA 2019. Bonjour madame. Bonjour monsieur Erif Opossi. Voilà. Alors pourquoi la campagne? Nous parlons de la campagne ici parce que le paludisme reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité au Cameroun. Mmh. D'accord. Et donc à quoi consiste cette campagne? Cette campagne consiste à dénombrer les ménages, c'est-à-dire compter et recenser exactement le nombre de résidents dans chaque ménage. Mmh. D'accord. Et donc, quels sont les districts concernés par la première phase? Les districts concernés par la première phase dans la ville de Douala sont 6. Nous avons le district de Mbangé, Boko, la cité des Palmiers, Deido, Japoma et Lokbaba. D'accord. Alors, que signifient les termes suivants? Dénombrement, ménage, MILDA et coupons. Ces termes, commençant par le dénombrement signifie, comme je l'ai tantôt dit, compter et recenser exactement le nombre de résidents dans chaque ménage. D'accord. Et ménage ensuite? Un ménage ici est un ensemble de personnes résidant sous le même toit, partageant le même repas et reconnaissant l'autorité d'un chef de ménage. D'accord. Et MILDA? MILDA, c'est la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. D'accord. Et le coupon, hein, pour terminer dans le ce... coupon ici sous-entend ce reçu, ce ticket qui, après le passage de l'équipe de dénombrement dans un ménage, est remis afin de rentrer en possession de leur MILDA le moment de la distribution. Très bien. Donc, désormais, c'est connu. Hein. Alors, quelle est la stratégie retenue pour cette campagne, Madame Moko Clarisse? La stratégie qui a été retenue ici pour cette campagne est celle d'une MILDA pour deux personnes. Et en ce qui concerne le chiffre impair, il sera arrondi vers le haut et le plafond étant de 4 MILDA par ménage. D'accord. Et donc, quel est le rôle de la MILDA et son mode d'utilisation? La MILDA nous protège des piqûres, d'insectes et plus précisément de l'anophèle femelle, donc des moustiques. D'accord. Et terminons, hein, quel message à adresser à la population? Ceci parlant, le message adressé à la population est de... C'est une prière, une doléance que nous adressons à la population de bien vouloir accueillir nos équipes de dénombrement, chaleureusement parce que nous avons connu des désagréments, de certaines équipes qui ont été agressées physiquement dans certains ménages. D'accord. Merci donc à vous, Madame Moko Clarisse. Je vous rappelle, vous êtes donc du district de santé de Daido. Madame, monsieur, 10-12, le Zénith se poursuit avec interpellation dans un court instant. On va regarder justement le document de Cédric Chouna et ensuite on fait le commentaire sur le plateau. A tout de suite. La solution est de changer le gouvernement. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Because this government have been there for more than 36 years, they are facing now is because the government is not really doing her job. So what we need is a change. And I think, for my own opinion, if the government is changed, then I think they will have a better Cameroon for tomorrow. Yes. So that is my own idea. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equidance Télévision. Alors bon, maintenant on va donc commenter l'interpellation de ce compatriote avec, évidemment il parle des jeunes aussi, hein, le développement de ce Cameroun, de ce pays. Oui, mais il faudrait que le gouvernement change. Je ne sais pas, le gouvernement change en nombre, je ne pense pas. Il voulait plutôt, moi j'ai cru comprendre que le gouvernement doit changer d'orientation politique, mais ce n'est pas
des personnes en tant que changement ou alors réaménagement de gouvernement qui parlent. Mais est-ce que la politique élaborée ou alors la politique mise en œuvre par le gouvernement définie par le chef de l'État est dans le sens d'amélioration des conditions de vie des jeunes? J'ai des raisons d'en douter. Mais bon, comme on ne peut pas les recommander de changer de nationalité, battons-nous comme on veut. Et surtout, à un moment, il faut qu'on considère qu'on n'a pas un pilote à bord pour qu'on résiste. Sinon, on va se mettre à nous bagarrer entre nous. Donc, je pense que les Camerounais, même à l'époque où le chef de l'État voyageait régulièrement, ils s'étaient habitués à vivre sans président de la République. Donc, même ça qui nous sauve. D'abord. Peut-être que comme jeune Afrique, c'est Madame la Présidente. Une pilote, c'est pas un pilote. Ils voyageaient ensemble. Il n'y avait même pas de pilote. Je le dis pour faire un clin d'œil. Tout à fait. Je le dis pour faire un clin d'œil à jeune Afrique. Alors, on va donc tout de suite, madame, monsieur, lire quelques messages envoyés par vos soins ce matin dans cette émission. Allez-y, Karine Santia. La plupart des gens qui se droguent ont toujours une fin tragique et sèment toujours la terreur dans les milieux ambiants et mettent tout son entourage dans la peur. Il faut que le gouvernement soit sérieux et mette sur pied des sanctions extrêmes à cet effet. Autrefois, on a eu à parler tant de la corruption et surtout du mode vestimentaire indécent. Roméo depuis Kribi, qui nous envoie ce message ce matin. Département de l'Océan, région du Sud, à tous ceux qui nous écoutent de Kribi. Voilà, il y a un testateur qui apporte une précision ce matin. La mère de Charles Ateba Eyene a mis au monde 10 enfants et les a tous enterrés, y compris son mari. Elle est la dernière à fermer la porte de la mort dans cette famille. Hommage à cette maman, William de Kribi, qui nous écrit ce matin. Oh, mais on est très gâtés à Kribi ce matin. Hein? Voilà, deux messages de suite de Kribi. Vous faites exprès, Karine? Vous faites plutôt pas. Ok, d'accord, allez-y. Parlons de la crise anglophone. Les premiers acteurs pour mettre fin à cela, c'est la population, en renseignant les forces de l'ordre et faire preuve de courage face aux attaques. Le message n'est pas signé du tout. Là, c'est peut-être vrai, mais là, c'est la défense qui doit susciter cela. Oui. C'est-à-dire la confiance. Est-ce que la population a confiance à l'armée, au Fonds de défense et de sécurité? Ce que je souhaite. S'il n'y a pas de confiance, il faut bien que cette confiance soit établie. Mais c'est l'armée qui doit faire établir cette confiance-là. En tout cas, on ne peut évoquer ce sujet sans mettre en rapport tous ceux qui perdent la vie tous les jours là-bas. Absolument. Et dont les familles sont meurtries, restent meurtries. Parce que lorsqu'un enfant perd la vie comme ça, dans la famille, c'est très compliqué de l'accepter. Allez-y, Karine. Notre message, la drogue est une bonne chose. Ça fait passer au niveau supérieur. Ou à son paroxysme. Wow. J'ai entendu un enfant dire à sa mère que maman, que fume ça, ça me rend cool. Que ma tête, ça me rend cool. Miracle. D'accord. Cette affaire de drogue est devenue grave. J'ai été harcelée sur les réseaux sociaux par un individu qui me proposait chaque fois de m'apprendre à consommer de la drogue. Le message n'est pas signé ce matin. Un dernier message pour cette vague rapidement. La chicha, c'est l'anagramme de hashish. C'est une drogue très nocive et cancérigène. Bruno de Newbell. Voilà. Et il y a des enfants naïfs qui vous disent, et vous prennent des exemples tout à fait scientifiques, vous disent non, il n'y a aucun danger, c'est pas la drogue, c'est pas... Et pourtant, c'est plus dangereux que tout ce que vous prenez mélangé. Hein. Je vous ai dit fois aussi, il faudrait que ces fils de Baba, ils ne sont pas les seuls. Je vais vous dire aujourd'hui, et si vous le voulez, on va citer le nom de ces fils de riches-là. On voit à Deido, on voit à Ange Raphaël, on voit quoi? Ils achètent, ils marchent avec ça dans leur voiture, les voitures de papa. Lorsque le gars entre, il n'utilise pas ce qui est qu'on achète, on loue, en fait, je sais pas si on loue dans les boîtes. Mais ils sortent avec ça du véhicule, ils mettent sur sa table, ils commandent des champagnes. Et à tour de rôle, ils se partagent. Les gars, Plus, c'est pas il faut le dire. C'est pas hygiénique. Il y a même le bâton qu'on change.
Je dis que j'ai la vie à même le bâton. Donc, quand tu donnes, tu retires ton bâton, oui. tu donnes l'autre bâton. La location de ça est voilà, chère. C'est comme les pipettes. Il y a souvent les bâtons là. Oh, oui. Quand il veut tirer pour moi, il tire un peu. Mais ça, c'est pour ceux que les bâtons ont, parce que j'ai vu les gens qui. Je te donne l'autre bâton. Mais non, les trucs, je ne sais pas si c'est l'accordéon. Moi, j'appelle ça l'accordéon. Flexible. Il tire. Vous le voyez, il aspire. C'est comme s'il s'est vidé complètement. Lorsque après, relâche, 5 secondes, vous voyez une nappe rouge qui envahit tous ses yeux, monsieur Eric Fobouti. Vous avez l'impression d'avoir le diable devant vous, tout rouge. Là. Vous y mettez toujours un peu d'humour. Hein? Non, mais je... voilà, merci beaucoup. Bonjour, c'est aujourd'hui. Merci, merci Karina. Chalamet, il a... Chalamet, il a clos le débat. Bon, clairement, c'est une... Merci de clore le débat, Chalamet. On va tout de suite là, prendre la suite. Oh la douce, mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis en moi. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, plein gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680-00-00-75. Plein gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Et donc, pour en parler ce matin, Constil Amine, bonjour. Pour à tous les téléspectateurs, je parle donc ce matin de ce gaz qui ne va jamais vous lâcher, de ce gaz qui est disponible partout, de ce gaz qui est fiable et de ce gaz qui coûte très très bas. Oui, parce qu'aujourd'hui, plein gaz se présente comme le gaz le plus moins cher du Cameroun. Oui, parce qu'avec 15 500 francs seulement, on a droit à une bouteille vide de 12 kg et demi. Avec 10 975 francs, on a droit à une bouteille vide de 6 kg. Avec 45 000 francs, on a droit à une bouteille vide de 50 kg. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue au concept Salaka et merci d'accueillir la couleur rouge. Merci d'accueillir plein gaz. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a donc une grande promotion sur les bouteilles plein gaz. Et pour ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé, courez dès à présent à Promote. Oui, rendez-vous directement là. Yes, non, maintenant, au stand plein gaz, situé bien sûr en face du stand de Eneo, c'est à Promote au Palais des Congrès à Yaoundé. Nous allons tout de suite rappeler nos différentes agences commerciales pour ce qui est bien sûr de Douala. Pour ceux qui veulent acheter plein gaz, que ce soit en gros ou en détail, rendez-vous derrière Total Anatole, c'est à Douala. Et pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, c'est en Gouaïkélé, derrière le lycée Leclerc. Nos amis de Bafoussam peuvent se rendre à l'entrée école normale et les autres régions du Cameroun seront tout simplement livrées en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Nous allons tout de suite passer à la phase de la vente. Nous allons commencer par la bouteille vide de 12 kg et demi. Vous la retrouverez à 15 500 francs dans nos différents points de vente du Cameroun. Le prix va s'afficher à l'instant à l'écran. Une bouteille vide de 12 kg et demi, vous l'avez à 15 500 francs dans nos différents points de vente ou alors par appel, tout simplement ou par SMS. N'achetez plus n'importe quoi, optez pour la qualité, optez pour la bouteille qui met long, optez pour un gaz de qualité, optez pour plein gaz, bouteille vide de 12 kg et demi à 15 500 francs. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous avez la bouteille de 6 kg que vous retrouverez à 10 975 francs. Je rappelle, c'est la promotion. C'est un salaka spécial de plein gaz. Profitez au maximum. Nos amis qui ont les restaurants, les hôtels, les boulangeries, les pâtisseries, vous avez besoin d'un gaz énorme. Alors courez dès à présent dans nos différents points de vente et achetez la bouteille de 50 kg à 45 000 francs. Oui,
une bouteille vide de 50 kg, vous l'avez à 45 000 francs dans nos différents points de vente. Voilà donc pour ce qui est de la présentation commerciale de plein gaz ce matin. Alors je rappelle à tous les téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi, optez pour la qualité, optez pour la garantie, la durabilité, optez pour le label plein gaz qui est vendu à partir de 15 500 francs, la bouteille de 12 kg et demi, livraison à domicile. Merci beaucoup et à tout à l'heure sur plein gaz. On va basculer sur vous, Karine Sontia, pour sortir de l'émission de ce 21 février 2019, 10-12 Le Zénith. Avec vous, Karine, quelques messages, je vous en prie. Les pouvoirs publics ne font rien parce que c'est la plupart de leurs enfants qui vendent de la drogue. Oui. Kamdem depuis village Douala, il continue en disant « La consommation de la drogue n'est que le résultat d'une mauvaise éducation des parents. Comment D'accord. voulez-vous que l'État intervienne ?» Quand même la fille du président de la République est à l'intérieur. Wow. Mm-hmm. C'est dur ce message. Mm-hmm. C'est très très dur ce message. Alors un autre message qui nous dit l'État ne veut rien pour cette situation. On passe le temps à dire il faut consommer avec modération car ça nuit gravement à la santé. Mais pourquoi produire et mettre à la disposition du public? Pour dire vrai, l'État s'y plaît parce qu'en consommant quotidiennement ces drogues, les consciences s'abrutissent et la réflexion n'a plus de place. Du coup, ceux qui gouvernent détournent tranquillement. Voilà pourquoi le gouvernement reste silencieux. Claudia Aboum ne dort pas si dur. Mm-hmm, ok. Un dernier message, parce qu'on nous signale déjà le temps. Oui. Ça m'étonne pas vrai vu que de nos jours les jeunes se soucient plus du divertissement que de ce qui est nécessaire. Moi, dans mon quartier, c'est déjà une habitude et c'est devenu une règle du genre. Si vous n'y êtes pas, on vous prend pour quelqu'un vivant dans le passé. Comme quoi, il faut interpeller les pouvoirs publics. Farel depuis Bertois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Karine Sontia. C'est terminé pour aujourd'hui. Madame, messieurs, rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Nous vous convions à rester sur nos antennes et que Dieu bénisse le Cameroun.